Ah, Bibi, ah, Bibi. Ah, putain. Bonjour mesdames et messieurs, bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous avons fait des décryptages. Que pensez-vous de la sortie de Monsieur Missandière? Également répondre à Madame Marie Fondia, qui a promis de finir avec ma vie à Paris. Marie Fondia dit qu'elle va payer des gens pour atteindre ma vie parce que je l'aurais insultée sur Facebook. Déjà, c'est pas vrai, je ne l'ai pas insultée. Elle n'a qu'à m'apporter la preuve. Voilà, elle promet donc de payer des gars à Paris pour finir avec ma vie. Moi, lorsque j'ai des menaces sur Internet, je vais déposer une main courante pour prévenir la police parce que ce qui serait bizarre, c'est de voir un homme et une femme en plein rue de Paris en train de bagarrer. Moi, je ne me salis pas. Donc, quand j'ai des menaces avec une personne, je prends la menace de la personne, je vais dans un commissariat de police, je dépose plainte. Donc, je suis donc allé à la police, j'ai fait une main courante à Monsieur Fondia. Et sa copine qui ont promis de tous les deux de me violenter. Voilà, moi, les menaces, je ne les prends pas à la légère. Donc, je préviens, la police est prévenue déjà. Dans le cas où ça arriverait, ce sera simplement un dépôt de plainte. Et faites comme moi. Quiconque vous menace, nous sommes dans un pays de droit. Et Marie, quand tu fais des vidéos publiques, tu vois, quand tu fais des vidéos, bonjour, rebonjour Bertrand. Voilà, quand tu viens en direct, tu fais des lives publics qui sont ouverts à tout le monde. Tu ne peux pas empêcher les gens de donner leur avis. Ça veut dire que tu as ouvert ton direct à tout le monde. Il faut que ce soit clair. Voilà. Et tu ne peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose que tu fais. Hier, tu as été dire que dans ton direct que j'étais pauvre, que j'avais rien avec ton concubin. Ton concubin et toi. Vous êtes livré à un exercice de lynchage sur ma personne. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, je prends les menaces au sérieux des réseaux sociaux. Et je les solutionne par un dépôt de. Voilà, une main courante. Si tu juges que j'étais offensé sur Internet, tu as tout à fait le droit de déposer une plainte. Tu vois, ce n'est pas la peur de la bagarre ou quoi que ce soit. Donc, tu prouves que tu es une sauvage. Parce que quand une femme te dit, je vais t'arrêter la bagarre, pareil, tu sens que c'est une femme qui ne connaît pas le droit. Voilà, si nous sommes dans ce pays et que nous n'avons jamais été inquiétés juridiquement, c'est parce qu'on sait très bien comment aller à la police, comment faire recours au droit. D'accord? Parce que je ne me vois pas être quelque part en train d'agresser quelqu'un parce que ce sont des choses que je ne supporte pas. C'est la barbarie, en fait. Et pour lutter contre la barbarie, on fait recours au droit. Tu t'es permis hier de dire que tu as montré que tu es sauvage. Et quand tu es sauvage comme ça, toi, Marie, ça veut dire que le mec avec qui tu es, tu lui fais subir cette violence. Tu es une femme violente. Voilà. Et les femmes violentes, on ne leur répond pas par le droit. Le droit, ce n'est pas une faiblesse, c'est un moyen de se rendre justice proprement. Parce que tu peux venir, si je ne peux pas alerter la police, tu peux venir m'arrêter la bagarre, je te claque et tu vas aller dire que je t'ai tapé, ça peut me mettre en cause. Donc, pour éviter, je suis le premier à aller te faire une main courante pour dire à la police qu'il y a une personne qui promet de se bagarrer avec moi. Donc, il ne faudrait pas que demain ça arrive, on dise que j'ai tapé une femme. Parce que quand elle te voit là,
Parce que vous voyez les gens, vous jugez les gens comme ça là. Quand ils te voient là, toi, comme ça là, franchement, c'est même pas si tu peux faire 5 pompes au sol. Mais tu es assise là. Tu es assise là, tu dis, oh, je vais faire tes choses. Si la personne, depuis que tu fais tes trucs là, depuis que tu choques, voilà, je vais te démontrer tes bassesses en fait. Et je vais te rappeler, toi, Marie, nous sommes dans un pays de droit, les gens ont le droit de parler ici. Ce que je fais, j'ai le droit de te dire. Tu vois, Macron, le président de la République en France, tu vois tout ce qu'on est capable de lui dire. Donc, quand tu n'as pas, tu ne supportes pas qu'on te. Quand tu ne supportes pas qu'on te parle, tu quittes la France. Voilà. Tu fais des vidéos publiques avec quelqu'un qui a été en couple. Quelqu'un qui a été en couple avec une femme pendant 13 ans, il n'a rien foutu. Il a été vivre. La maison même dans laquelle il a vécu, elle n'était même pas à son nom. C'est-à-dire qu'il a été viré. Ton concubin a été chassé de la maison dans laquelle il vivait, qui ne portait même pas son nom. Après, Pascaline Canon, provoquer comment? Mais on est dans un pays où on a le droit de dire ce qu'on pense. Elle a le droit de elle fait des vidéos publiques. Provoquer. Et oui, on peut provoquer en France. On peut provoquer les gens. Provoquer, mais pas. Il y a une manière de provoquer les gens, tu vois. Si tu n'es pas contente des provocations, tu déposes un plainte, une plainte. Je pense qu'on peut se retrouver dans un commissariat. Tu vois, tu dis que le mec, il m'a. On va vous rappeler que maintenant, vous êtes dans un pays où, même au président de la République, on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc, toi, tu nagues, tu as le droit de narguer. L'ex-copine de ton concubin, as le droit de le narguer. Et quand on vient te narguer, tu te plains. Tu veux vivre une belle vie. Tu sais que le mec, le concubin avec qui tu es dans la relation, c'est quelqu'un qui sort d'une relation connue, il était avec une personne qui est connue. Donc, forcément que tu t'exposes avec lui pour choquer son ex. Ça, tu ne vois pas ça. Tu ne peux pas dire, je vais vivre une vie tranquille en t'exposant avec quelqu'un dont le nom est partout sur Internet. Tu comprends pas? Donc tu fais exprès. Tu fais exprès pour qu'on te voie. Et quand on te voit, tu pleures. Pourquoi on t'a pas dit qu'on pleure pas sur l'État? Hein? On t'a pas dit, tu viens dans un truc. Le gars avec qui tu es, c'est quelqu'un qui est connu sur Internet parce que son ex l'a fait connaître. Et tu viens, tu commences à pleurer, qu'on t'a insulté, on s'occupe de ta vie. Mais tu voulais cacher ta vie. Si tu voulais avoir une vie, tu ne pouvais pas exposer Fondia. Non. Le nom de Fondia est partout sur Internet. Donc, tu veux qu'on parle de toi? Aïe. Tu as envie qu'on parle de toi. Et quand on parle de toi, ça t'énerve comment? Tu ne savais pas que plus on est discret, plus on vit une vie paisible. Et tu as décidé d'exposer ta vie, de faire les directs, danser, d'embrasser ton gars pour narguer l'ex. Hein? Quand tu nagues l'ex, nous les fans, Marie, on a le droit de parler. Tu fais les menaces que je vais te voir à Paris. Moi, je ne bagarre pas. Moi, je préfère faire recours à la police. Parce que j'imagine un peu tout ça. Parce que tu as montré dans ton direct que tu es cette sauvage. Tu es ce genre de femme qui bagarre dans les. Tu es ce genre de femme qui bagarre dans les bistrots. Si tu penses que. Je t'aurais offensé, tu vas à la police. Tu dis, bon, je vais déposer plainte. Tu me demandes mon nom, mon adresse, je vais te donner. Mais comme tu n'as pas de nom, tu sais très bien que je n'ai rien fait qui mérite une plainte. Tu viens sur Internet et dis que tu bagarres, franchement. Et tu as des enfants, toi? Parce que ce que tu as dit là, c'est ce que tu fais subir à ce monsieur. On t'a dit que le gars est triste avec toi, mon frère. Le gars est triste, hein, parce que tu le tapes. Tu penses que tu veux forcer le bonheur, tu es une forceuse. Le gars avec toi, regarde comment il est là, il est comme si tu l'attachais, mon frère. On te dit ça, ça t'énerve comment? Le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Tu veux faire le love story, love, non, le gars n'est pas, le gars, ça ne donne pas. Quand on te dit ça, tu
s'énerve comment? Est-ce qu'on fait le love story une place? Hein? Non, on a fait la remarque qu'il n'est pas heureux. Il force, que tu forces. Tu dis que tu vas voir quelqu'un apparaître, tu vas taper. Que tu vas payer les gens, tu vois, il y a les gars. Tu penses que ça se dit ça? Quand tu fais des menaces à quelqu'un sur Internet et que demain il arrive quelque chose à la personne, tu prends la responsabilité de ça. Et d'où moi je suis allé, tu t'es fait une main courante. Ben directement, ma chérie. Tu commences à péter un câble comme ça. Tu vas te. Et ouais, ben non, tu es assise là, tu danses seul. Il n'est même pas heureux. Tu penses que tu peux acheter, tu peux acheter. Quand on te dit ça, tu dis que oh, tu vas taper les gens. On tape les gens sur Meta. Tu tapes les gens, tu te retournes dans les tribunaux à la personne. Tu réponds de ça. Mais on parle aux gens en France. On parle aux gens. D'accord? Tu captes ou pas? Tu comprends pas? En France, on a le droit de. On a le droit de te dire ce qu'on pense. Quand je parle même de toi, là, il faut être contente hein, parce que je parle de toi pour te dire la vérité. Tu ne peux pas être avec un homme public. Ton problème vient de cet homme qui a été dans une relation, il a été dans une maison. Pendant 13 ans, une femme qui ne portait pas son nom, qui a été virée. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il m'insulte, ton concubin. Il est encore avec toi dans une maison où tu vas le chasser demain. Parce que les femmes comme toi, je voulais un peu te considérer. Hein. Mais à partir du moment où tu as été dit que oui, je connais où je suis, tout ça, est-ce qu'une grande femme fait des menaces comme ça? Tu vas à la police, tu portes plainte. Hein? Une femme qui a l'éducation, tu dis que vous avez l'éducation. J'étais en train de dire que vous avez l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué, tu as une maîtrise. You heard me? Le couple de toi. Non, enfant, on peut vous dire, enfant, on a le droit de te dire ce qu'on pense sur toi. On peut te dire ça. Toi, tu fais tes love stories. Avant Fondia, tu faisais les love stories. Tu étais dans une relation ou peut-être tu y es encore. Est-ce que tu faisais les love stories? Tu as commencé à faire les love stories parce que tu t'es mis avec un mec qui est connu. Et tu veux profiter de ça. Et nous, la planète du Congo, ça nous intéresse de venir te suivre. You heard me? Voilà, donc je voulais tout simplement te dire que j'ai alerté les autorités de Ténénas, ils sont au courant. S'il m'arrive quelque chose à Paris, ça vient de toi. Voilà. Tu as le droit de dire ce que tu penses sur moi. Ça me... Je t'ai pas fait cette main courante parce que tu m'as insulté. Non, tu as le droit de m'insulter. Je t'ai fait la main courante pour les menaces. On ne menace pas les gens en France, dans un pays de droit. Si vous sentez offensé par quelqu'un, vous allez déposer une plainte. Mais parce que c'est pas le cas. Tu peux pas être avec Fonia. Tu dis que tu veux ta vie. Tu dis que je veux. Tu dis que je veux une vie tranquille. Les gens me dérangent. C'est toi qui dérange les gens. Une femme même déjà toi. Le gars sort d'une rupture. Tu es une femme. Hein? Tu peux pas faire ça à une femme. Que une autre femme a rompu avec le gars avec qui tu es et tu te nagues la femme. Tu sais ce qu'une rupture peut faire à quelqu'un? Une rupture, c'est chaud quand une femme ne peut pas se moquer de quelqu'un. Même quand tu as pris le mari de quelqu'un, tu respectes un peu les moments que la personne est en train de traverser. C'est compliqué. Le gars sort d'une relation de 13 ans et toi, au lieu de respecter même ça, tu viens narguer la femme pour qu'elle crève. Tu envoies les photos, tu envoies les vidéos à compression pour narguer l'ex. Mais comment tu peux dire que tu n'as rien à voir là-dedans? On s'est permis de parler parce que tu fais les vidéos pour envoyer les photos à compression qui est dans le clash. Tu fais exprès pour narguer et tu penses qu'il n'y a pas de retour.
En plus, si tu sais, si tu es sûr que tu es belle, pourquoi est-ce que tu vas te sentir gêné quand on dit on dit autre chose? Hein? On peut te stresser en un mot. Je peux te faire des effets comme ça jusqu'à tu cherches à chercher les gens pour taper. Moi, je suis effectivement à Paris. Si quelqu'un s'attaque à moi, c'est toi qui as payé la personne. Si quelqu'un s'attaque à moi, c'est toi. Tu as le droit de me répondre, de ne pas être d'accord, tu as le droit de m'insulter, hein. Mais tu n'as pas le droit de faire des menaces. Tu comprends, Marie? Tu n'as pas le droit de faire des menaces à quelqu'un. Oui, il faut avoir peur des menaces parce que les menaces, tu ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux pas te. Tu vois, je te réponds, mais je ne te fais pas de menaces. Je ne te fais pas de menaces. Je ne te fais pas de menaces parce que c'est interdit. Voilà. Mais on t'a dit, ton gars-là, il n'est pas heureux. Parce que vous êtes en mode naga, vous voulez naguer l'ex. Parce que tu es dans les clashs. Tu es là pour jouer. Tu joues le rôle. Tu es en train de jouer le jeu de compresseur. Tu nagues Lolo avec compresseur. Tu lui envoies les vidéos pour la narguer. Comment tu peux dire que tu n'as rien à voir là-dedans, t'as à voir là-dedans. Compression est dans les Ndiangui, elle est dans les compression dans les Ndiangui avec les gens. Donc quand elle publie les vidéos avec Fondia, c'est pour entrer dans le clash. C'est pourquoi tu es concerné. Effectivement, je ne te connais pas, mais c'est parce que tu viens entrer dans ces jeux-là. You heard me? Voilà. Quand on veut mener une vie paisible, on se cache. Mais tu exposes ta vie et tu pleures. Quand tu as des amis comme compresseur, tu viens entrer dans les clashs de compresseur. Pourquoi tu es surprise que demain? Pourquoi tu es surprise que demain tes affaires, que les gens se mêlent de tes affaires? Franchement. Et ton gars, il dit que j'ai rien, Fondia. Fondia, tu m'insultes. Tu dis que j'ai rien, que j'ai ceci, j'ai cela. Mon frère, et toi, tu vis chez les gars. Monsieur Stéphane, tu vis chez les femmes. À quel moment tu as vécu dans ta maison? Tu étais chez Lolo là. Si la maison t'appartenait, si la maison a porté ton nom, tu avais mis la main dans la maison, tu pourrais partir comme ça. Venu me parler de maison, mon frère. Hein? Tanga qui est là-bas, là, on dit que c'est un Watt qui lui a dit les dos. Que c'est un Watt. Tu manges la hand d'un Watt, Stéphane, tu vas venir me parler, mon frère. Tu es un travailleur maintenant, pas dans l'alcool. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux même pas, tu n'es pas un homme. Tu comprends, Stéphane, tu ne peux même pas. Toi aussi, tu dis que quand tu vas me voir, quand tu vas me voir, je vais te dire ça. Dis-moi où buvez le vin, je viens, c'est dimanche, je viens boire le vin. Incroyable. Tu es là un homme, tu avais l'engagement, tu y as bon commun. Si tes enfants te regardent, Stéphane, as abandonné les mounas là-bas, va jouer avec tes enfants. Tu n'as pas là, tu as un vieil âge. Au lieu de danser le hip-hop là, hein, fais un petit voyage, tu as quelle vie? Le gars là s'est moqué de moi, j'ai un Wanda sur lui, mon frère. En dehors de t'exposer avec les gars, fais le fanfaron comme tu fais là. Les femmes qui, tu vis chez elles, demain quand elle ne sera pas contente, elle va te jeter, tu se servir de toi. Un homme, tu ouvres ta maison. Tu comprends, Stéphane? Tu ouvres ta maison. Tu ne peux pas quitter chez Lolo. Tu peux encore vivre ça. Tu peux encore t'asseoir. Celle-là, elle veut venir parler aux gens. Oh, il veut te voir à Paris. Mais dis-moi que tu es à quel endroit il vient là-bas te voir. Comment? Dis que je suis là-bas, je ne connais pas. J'arrive là-bas, je vois comment tu vas venir faire tes conneries sur moi. Tu penses qu'on est où? On est dans quel pays? Tu as fait un analphabète. Tu quittes des histoires où tu as vécu. 13 ans, rien foutu. 13 ans que tu as vécu avec Lola, qu'est-ce que tu as fait? Toi, un homme, tu lui as fait quoi? Hein? Tu l'as poussé à avoir le permis, tu l'as poussé à acheter une maison. 13 ans, une femme, tu l'as aidé à rien.
Moi, je ne peux pas être avec une femme pendant une année et je n'ai pas fait, je n'ai pas réalisé que je suis à Yunga. Tu comprends? Voilà. À l'époque, quand il faisait les affaires, là, il y a une femme au Cameroun, là, au terrain, c'est moi qui avais acheté ça pour elle. Sortait avec une fille, il lui bail un terrain à 3,5 millions. D'accord? Tu es 13 ans, quel était le bilan de ton ancienne relation jusqu'à tu vas venir Mimba? Tu vas venir là, tu gonfles avec la femme, tu lances le hip-hop. Tellement vous êtes bête, même le hip-hop que vous mettez dans votre musique là, dans votre. Vous savez pas que ça va tuer votre page. C'est interdit de jouer la musique. Donc prochainement, quand vous faites les lives, ne mettez plus la musique. Parce que nous, on veut suivre le, on veut suivre, on vous suit. Tu quittes le viens, on reste. On pense que tu vas aller te marier, tu pars encore dans le viens, on reste. Tu pars t'asseoir encore, une femme ouvre la maison, tu entres dedans, mon frère. Jusqu'à tu vas venir Mimba. Non, Stéphane, tu ne peux pas Mimba. Là, tu m'as demandé qu'il dort ou il a quoi. Mon frère, j'ouvre ma maison, je fais entrer qui je veux. Je n'ai pas la maison avec une femme. J'ai un F4. F4. Les chambres sont vides ici, là, il n'y a personne là-bas dedans. Tu comprends? Bah, les chambres vides. Grosse maison. Donc, Stéphane, le jour où la Ngala te chasse, tu m'appelles, tu viens prendre une chambre ici. Là. Tu comprends pas? Tu es toujours calme, calme, mon frère. Un homme réaliste. Tu as réalisé quoi depuis, Stéphane? Tu n'as pas vu la maison qui est construite au Cameroun. Tu as été une femme 13 ans. Tu l'as aidé en quoi? Hein? Tu es toujours comme le gars qu'on a fait tirer. Là. Les hommes, vous verrez, les femmes, vous n'aidez pas les femmes à s'améliorer. On insulte vos femmes. À cause de toi, on a insulté Lolo ici pendant que tu quittes la vie de Lolo. Tu n'as pas vu comment elle est sortie des histoires de clash. Tu avais pu la maîtriser comme un homme. Hein? Tu étais avec une femme, elle était dans la boue, elle insultait tout ça. Tu avais pu être un homme là, maîtriser que ma chérie arrête. Tu n'as même pas pu. Maintenant, tu viens encore l'autre là, elle te dit allume le téléphone, on fait le direct. Tu avais une femme, tu es un homme à quel moment? Tu vois, une d'après, elle peut me manipuler comme ça. La gâte te manipule pour choquer ton ex. Une femme qui a travaillé son argent, tu as mangé pendant 13 ans. Une femme qui t'a fait dormir pendant 13 ans. Vous avez élevé un enfant ensemble. Tu viens jouer ce jeu. Quand on vient vous reprocher, vous venez, hey, je vais te voir à Paris, je vais te taper, je vais te taper. Écoute-moi les trucs des sauvages. Parce que la vérité te dérange, Marie. Tu peux même pas aller me porter plainte. Parce que je te mets ça propre. Hein? Je te dis ça. C'est-à-dire que la manière que je t'envoie les vérités, là, c'est ça qui te dérange. Il ne t'insulte pas. Tu es une femme. J'ai l'obligation de te respecter humainement. Je n'ai jamais insulté ton physique. Hein? Je t'ai dit que je t'ai entendu dire des trucs, là, c'est pas moi, ça, c'est faux. Moi, je suis en train de dire que tu as rendu encore cet homme toutou. On veut faire d'un homme un grand homme, c'est pas pour venir danser devant les gens. On fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire que tu es une gars, tu pousses ton petit peu, bébé, je vais te voir. Tu achètes un terrain, tu te rattrapes. Tu as un homme qui est un vaurien comme ça, là, un homme qui ne fout rien de sa vie, qui est là, il veut Mimba avec les gars, mon frère. Tu Mimba, on te dit la vérité, tu es un homme public, mais tu es là, tu es un toutou, tu es assis avec les gars, tu manges. Les fraises qu'elle a achetées. Tu manges la nourriture qu'elle a achetée. Tu es sur le canapé qu'elle a bâillé et tu dis que tu es un homme quand? Jusqu'à tu veux narguer ton ex. Tu veux narguer ton ex. Tu veux venir dire que mon frère. Hein? Stéphane, ouvre une maison qui est à toi. Ouvre la maison. Tu dis que voici ma maison. La femme vient vivre dedans. Parce que moi, c'est le cas. Ce n'est pas le rond. J'ai un F4. F4. Les chambres sont bien vides, tu as une grosse maison, ce n'est pas le bruit. Voilà. Moi, j'aime trop le. Si vous parlez du canapé, j'aime bien, j'aime trop le canapé. Je laisse les chambres vides. Je n'aime pas dormir dans la chambre. C'est ce qui me crée toujours les points avec les gars. Quand il vit avec une femme, il fuit la chambre. Vous pouvez dormir au canapé. Mon frère, Stéphane, tu es un buveur d'alcool, tu es un ivrogne. Je ne sais pas qu'il t'insulte. Je t'ai dit ça pour que tu changes. Stéphane, toi-même.
Tu as vu ça. Tu vois ça. Les chambres vides. Tu vois ça là. C'est les chambres vides. Tu comprends, non? Donc, faut pas insulter les gens. Ça, c'est les chambres vides. Tu vois ça, non? Tu vois ça, non? Il dort au canapé. Quand tu vas venir, je vais te laisser la chambre si tu vas dormir là-bas. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois ça. Les choses qu'on ne fait même pas. Vous poussez les gens à faire. Voilà les salles de bain. Ce n'est pas les salles de bain que l'eau coule là. En haut, là, c'est la baignoire qui est là, là-bas. Tu vois un peu, non? Donc, du camion se douche très bien. Très bien là-bas. Tu as compris. Donc, voilà la maison de Ducamé. F4. F4. Voilà. La chambre de Ducamé, là, voilà ça. Il ne dort pas là-bas. Tu vois un peu, non? Voilà la chambre. À le bureau. Tu comprends un peu, non? N'importe quoi. Il m'insulte, il me dit qu'il est au canapé. Tu es malin dans ta tête. On t'a dit que je suis dans une maison. C'est une femme qui m'ouvre la porte en bain, mon frère. C'est moi qui ouvre la porte. Regarde un peu le quartier. Tu as vu le quartier. Tu vois le quartier là. Tu vois ça, Stéphane. C'est moi qui ouvre la porte et la femme entre. C'est pas la femme qui ouvre la maison, j'entre dedans. Tu as compris, non? N'importe quoi. Tu as compris, non? Je suis le genre de gars que. Ah, la piole ici. La piole. Putain de piole, tu vois. F4. Si tu veux ça, tu m'appelles. Tu comprends un peu, non? Tu gardes l'argent, tu gardes les dos. N'importe quoi. Voilà la terrasse ici. Là. Voilà la terrasse. Je ne sais même pas où je peux montrer les papiers. Je peux montrer les pieds par de la langue. Voilà. Voilà les chaussures là-dedans. Il y a les chaussures partout ici. Tu vois? Je suis pas dans les quartiers bizarres, bizarres. Moi, je te montre ça. Je n'aime pas faire ça. Parce que les grands hommes n'ont pas besoin de ça. Tu comprends, Steph? Toi, tu as assis chez l'Angala, là où tu vis dans la maison, c'est sa maison. Qu'elle mette le bail à ton nom, on voit. Donc, à tout moment, elle peut te jeter dehors. Tu comprends? Vis jamais chez une gars ici, là, en France. Jamais. Moi, je dis aux hommes, cherche tes dos, cherche tes 6 000 euros, tu bailles, tu prends ton appartement. Un homme, tu ouvres la maison, la femme entre dedans. Ce n'est pas que tu vis chez une femme, elle va te chasser. On t'a chassé à Reims là-bas, tu es parti de là, tu quittes. Il vit chez un gars, regarde, tu mets le contrat de bail là, c'est un nom de. Il y a, non? Voilà. Donc, à ton âge, là, ton bilan, Stéphane, ton bilan, c'est quoi en bain? Est-ce que je vais te chercher? Moi, je bombarde les vérités aux gens. Moi, quand je dis les vérités aux gens. C'est ça qui énerve. Ce n'est pas que je ne t'insulte pas. Stéphane, tu es bien chaud. Hein? Tu es là, si, avec l'anga, comme si tu as un million, comme si tu es un gros millionnaire. Tu es si là. Pourtant, c'est l'échec total. C'est comme ça que le genre d'engara que tu as là, c'est le genre de femmes qui perdent le temps aux hommes. Le genre d'engara qu'elle te fait à manger, comme si ta vie à nous était venue manger. Elle te remplit. Alors qu'un couple, tu dois réfléchir comment l'homme, élever l'homme. Élever l'homme dans ses projets, pas dans la nourriture et l'ambinda. Là où tu es là, c'est sûr que tu chopes vraiment de Dieu. Je suis trop wise. Je suis trop wise. Non, pas. Je suis trop wise. Tu vas t'asseoir là, tu vas dire ton bilan. Le bilan des 13 années à Rennes, c'était quoi? Mais l'anglais t'a foutu dehors, tu foutais rien. L'eau n'a même pas voulu dire la vérité sur toi. Moi, je te dis ça. Parce que moi, ta vie à Rennes, je la connaissais. J'ai des amis là-bas. Tu passais le temps à boire. Elle t'a supporté. C'était compliqué. Et même là, là où tu es là comme ça, là, tu es un toutou là, dans cette relation-là. Je te dis la vérité. La personne qui domine la relation, là, c'est l'angala. Et elle le montre. Même quand vous êtes en direct, c'est elle qui initie tout. Et il n'y a même pas, c'est-à-dire que il n'y a même pas le respect de l'homme. Et où? À quel moment elle te respecte là? Mais elle veut juste te faire voir. Narguer. Parce que si c'était toi-même, Stéphane, tu ne pourrais pas faire les vidéos là pour narguer. Lolo ne m'a pas envoyé parler. Voilà, parce que votre histoire est publique et puis on en parle. Lolo, elle ne m'a pas envoyé. Elle ne m'a pas envoyé parler. Mais c'est enfantin.
Mais au lieu de danser dans les maisons, là, votre danse là, on ne peut pas vous voir danser dans un bateau, danser dans un voyage. On ne peut pas vous voir en train de danser quelque part. C'est toujours dans la maison que vous dansez. Après, elle dit qu'elle est dans les restaurants. Donc, tu fais tout ça, tu passes ta vie dans les restaurants à 2 balles. Mais quand tu veux narguer, tu allumes un peu le direct là, on va un peu s'amuser. Mais tu allumes le direct, les gens vont commenter, ma chérie. Moi, je ne bagarre pas. Hein. Voilà. Donc, si tu me. Les gens comme toi, si tu as dit ça, j'étais déjà fait une main courante pour menace. Et si ça arrivait que tu venais faire ce truc-là, moi, je te dépose plainte, c'est tout. Et je te réponds même parce qu'il ne me voit pas en train de bagarrer avec un gars. Si c'est la faute, tu ne peux pas. Même lui, là, Stéphane, il ne peut même pas. Je suis d'abord un sport, je fais du sport, je suis quelqu'un qui est très fort. Ça, je n'ai jamais démontré ça à quelqu'un, je n'ai même pas le dit. Depuis que je suis sur Internet, tu as entendu un jour que je suis allé quelque part, quelqu'un m'a fait quelque chose. Tu as entendu que du camel passe quelque part, lui fait quelque chose. Donc, moi, je te dis, le gars là en retard, si tu veux trop mimba avec lui, on veut dire qu'il est en train de laisser les trucs que son père lui a laissé, les trucs là, mon frère. Moi, mon père m'a laissé les terrains partout là. Nous, on ne calcule même pas, on l'a abandonné. Donc, quand tu veux venir mimba, on veut le voir dans une voiture que tu as bailli conduit. Ouais, quand une femme veut mimba, que regarde, j'ai pris l'homme, mon frère. Mets-le dans une voiture, voilà, prends une maison à son nom. On va dire que lui, il a gâché, vraie voiture assurée, on va te demander des excuses. Et pas les histoires de mange, mange. A beaucoup de gars comme ça ici à Paris. Il vit avec l'anga, le noir avec les histoires de. Il arrive, on lui fait la nourriture, on lui fait. Mon frère, ça ne marche pas avec moi. Pour qu'il soit à l'aise dans une relation, il faut qu'on parle projet, c'est-à-dire que on s'entraide mutuellement. On progresse. Il y a des projets comme l'achat d'une maison. Il y a des projets, c'est-à-dire que ton compagnon élève ton niveau de vie. Tu ne peux pas venir à le nagage de danser, les trucs des gamins, mon frère. Ben, je regarde ça et je dis que, mais putain. Et sortant même, c'est-à-dire que vous sortez même dans. Vous sortez, tu ne peux pas. Parce que Fonia, c'est quelqu'un qui a été dans, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire du Japap de Facebook. Il a à voir là-dedans. Donc tu viens narguer avec quelqu'un comme ça là. Et même en termes de réussite, c'est pas quelqu'un. C'est pas un homme que tu vas venir mimba avec lui parce que Fonia n'a rien fait de sa vie en bain. Oui, moi je te dis, c'est pas qu'il ne travaille peut-être pas, il travaille, mais il n'a rien fait. C'est pas l'homme que tu vas Bertrand venir monte. sur Internet nous mettre que voici l'exemple. Non. Et moi, je vais te parler parce que la relation qu'il a eue avec Lolo et tout, Lolo en a souffert. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a aidé Lolo à avancer dans sa vie. Moi, je tape sec. Il n'a pas aidé cette femme. C'est ce que je disais même à Thierry. Thierry, pareil, ce sont les hommes assis, ils mangent le poisson brisé chez les gars. Quand un homme prend les devants, tu avais une femme peut-être qu'un compresseur. Comme je disais, on a passé le temps à l'appeler mendiant, tout ça. Le gars est là, il est à côté. Il ne montre même pas un signe pour faire sortir son gars des conneries là. C'est pourquoi on parle d'eux. C'est pas que forcément on a envie de les insulter. C'est ce qu'on ne veut même plus voir dans la diaspora. Les hommes qui s'asseyent chez les femmes seulement pour la nourriture et les fesses. Si demain, Marie, cet homme-là, on le vend, on apprend qu'il a acheté une maison en France. On l'apprend que voilà, le niveau de vie a augmenté, il est dans une belle voiture, il est en train de. Il a ouvert une société. Mais moi, je ne te mens pas que je serai le premier à te féliciter. Mais tu viens narguer le gars avec la nourriture, les fraises, mon frère, de 2 euros. Mais. Hausse le niveau. C'est un gars public. Il est dans le djangui. Il ne peut pas encore sortir dedans. Voilà. Donc ne sois pas surprise qu'on parle de toi. On parle de toi parce que tu as voulu narguer les gens. Mais on ne peut pas narguer avec un monsieur qui a vécu 13 ans avec une femme. La femme a supporté son alcool parce qu'il a l'alcool. Il est alcoolique. Mais Joël est sorti sur qui? Elle est sortie sur Fodia. Hein? Elle est sortie sur qui? Mais ça veut dire que tu n'as pas vu son direct. Non, Il faut. j'ai pas vu, c'est toi que j'écoute ça. Hein. Ah oui, moi je. Elle est sortie hier. Et Wanda, comment est-ce que les gens l'insultent? Pourquoi les gens se mêlent de sa vie? J'ai dit, mais toi, tu fais la vidéo où tu envoies un compresseur pour narguer Lolo. Lolo a sa team, Lolo a ses sympathisants. Mais tu penses qu'on va te regarder faire ça? Mais bien Tu ne sais pas la sûr, personne que tu es en train d'attaquer là. on va décrypter sa sortie. Ben oui, Ouais, c'est toi parce que si tu n'étais pas c'est avec. sorti son attaque à toi. C'est sorti son attaque à toi. Ouais, t'es sorti, tu envoies les vidéos à Nico Kitcha. Regarde ce que tu envoies les vidéos à Nico Kitcha. Tu envoies Nico Kitcha. Tu flirtes avec le clash, Marie. C'est pourquoi tu es concerné, honnêtement. Et encore aux ennemis Oui, tu jurés de envoies l'autre. Donc du les vidéos aux coup. ennemis. Tu peux vivre ton amour. Mais quand les vidéos
pareil chez Compressor. Parce que tu es Bassa, vu que tu es Bassa, donc tu n'as pas fait l'alliance tribale avec Compressor pour attaquer Lolo. Ouais. Et tu es fier parce que tu veux vivre l'histoire d'Amérique à Amérique. Tu veux être connu, mais tu dis que ça a un prix. Et moi, je te rappelle que je n'ai vraiment pas de problème particulier avec toi. Et je peux même dire que tu n'es pas une femme mouche. Je sais pas, moi, je pense que tu n'es même pas une femme mouche. Je ne m'attaque pas à ton physique, non. Aucune femme n'est mouche, mais son comportement qui la rend Voilà. mouche, c'est les actes qu'elle commet qui font en sorte qu'on la Une dénigre. femme élégante. Marie, écoute très bien ce que je vais te dire. Je suis ton petit frère, mais il peut bien te le conseiller parce que je suis quelqu'un qui est. Une femme ne se moque pas de la rupture d'une autre femme. Tu sais que c'est Mais douloureux. Tu sors avec un homme qui a vécu 13 ans avec une femme. Tu peux du respecter quand la même femme, savoir qu'elle a vécu, c'est une rupture. mais Et tu viens direct te moquer. mais du quand même mais c'est faux Jacques qui l'a laissé et puis aller voir Lolo. Elle aussi subit cette rupture. Ce n'est pas seulement d'un seul sens. Donc si elle se moque, je sais qu'elle se moque d'elle-même. Parce que hier, elle n'était plus avec Foja. Mais Foja était avec Lolo. Ils ont fait 13 ans ensemble. Durant ces 13 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va essayer de faire comme si elle est parfaite. Tu n'es pas parfaite, ma chère. Voilà, tu n'es pas. Tu peux. En plus, c'est que toute femme doit savoir respecter. Quand tu sors avec un homme qui quitte une autre femme, franchement, l'élégant voudrait que tu respectes ça. En fait, c'est. Moi, j'ai dit, Marie, j'ai parlé de toi pour ça parce que j'ai vu que tu n'as pas respecté. Moi-même, j'ai arrêté de clasher Lolo par rapport à cette rupture. J'ai clashé cette même Lolo, mais j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'est douloureux. Moi, j'ai connu des ruptures qui m'ont fait très mal. Et encore, ils ont un enfant. Hein. C'est pas Ils ont un du faux. Et enfant. ça. Est-ce que Ils ont tu un penses à enfant. cet Vous enfant? mettez C'est pourquoi moi je parle de toi l'enfant là et où? tu peux pas me dire si moi je te faisais quelque chose de quelque chose de grave, je suis sûr que tu allais me porter plainte. Parce que tu as vu que j'arrive à te toucher en fait. C'est pourquoi tu veux penser à la violence. Mais la violence, il y a une manière de résoudre la violence. Quand Et tu ce me qui est fais des marrant dans tout menaces ça. de je vais te battre à Paris, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis allé à la police, j'ai fait ça sur Internet, Mais tu fais un mot humain j'ai courant, fait direct. une main courante pour alerter les autorités que s'il m'a. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que Lolo, entre-temps, de temps en temps, dans son mariage, dans ses 13 ans avec Foja, envoyait de l'argent à son fils, au fils de Marie. Hein. Je comprenais quand Lolo le disait, mais c'est-à-dire, Lolo, dans le fond, au fait, elle n'est pas d'ailleurs mauvaise. C'est juste qu'elle crie beaucoup sur la tête, elle se dit que non, elle est mauvaise, putain, elle ne l'est pas. Tu vois? Donc, jusqu'ici, là, malgré qu'il y avait des problèmes entre Marie et elle, ça n'empêchait pas qu'elle garde la bonne relation avec le fils de Marie. Et elle, et tu vois, ça montre une fois de plus qu'elle est maternelle. Mais Marie montre que non, le fils de Foja, elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre de cela. Parce que rien que pour ce coup, l'enfant-là, elle devait garder un peu le silence. Elle Dire va que non, garder le silence. Elle ma, peut même lui, s'abuser. Mais le ma. problème, c'est que elle. Pourquoi Compressor publie ses vidéos? Compressor, nous sommes dans les clashs avec Compressor. Nous sommes dans les clash avec elle, ce n'est pas la blague. Donc quand tu Ah te bah sers, oui. tu viens, ça veut dire que tu te mêles des clashs. Oui. Elle s'est posé la question de savoir, mais pourquoi les gens se mêlent? Mais comment tu ne comprends pas? Marie, Bah, pourquoi, comment tu ne comprends pas pourquoi on se mêle de ton truc à dire? Parce que tu prends des vidéos, que tu fais tes trucs et tu envoies à Compressor. Ce n'est même pas le découpage. ah ben, elle fait ça exprès, c'est pour choquer Lolo. Voilà, tu veux choquer Et Lolo. demain, Et Lolo, elle a ses sympathisants. Je suis un sympathisant de Lolo. bien sûr, Mais oui, je suis un on ne peut pas. sympathisant de Lolo. Quand tu la tapes. Non seulement on nourrit la page, la page est monétisée, on va en parler. Ben oui. Donc, Tu, ouais. comment tu te, Donc. tu te poses la question? Tu dis que mais, du camel, elle a, tu ne dis même pas du camel. C'est que tu parles de moi. Tu dis qu'il a quel problème? Non, comment tu ne comprends pas? Il y a les problèmes. Il y a les problèmes. Ton gars, il a les gros janguis. On décryptait tout ce qui est public. Ben, quand on vient avec notre compte, tu sais ça pourquoi j'ai toujours du mal à prendre. C'est donc là que moi je ne comprends pas. Je comprends aujourd'hui que Flo et Lolo, vraiment, les deux ont pris du recul dans les clashs. Hein. Parce qu'elle est sortie comme ça avant. Mais ce que Lolo y a sorti dégamé. Elle a dégainé sur elle. Mais Lolo, depuis longtemps, elle garde son silence. Je comprends que franchement, je préfère qu'on l'aide dans ce sens-là. On les aide. On ne peut pas dire elle seule. Même qu'on peut sortir qu'aujourd'hui, si on la combat, c'est juste parce que. Elle a toujours les sorties très violentes, très virulentes, et puis ça fait en sorte qu'on revient toujours sur elle. Mais en réalité, au fond, on ne la déteste pas. On veut tout simplement qu'elle change sa façon de bloguer, de ramener un peu ses followers à l'aimer d'un autre concept, Bah, c'est clair. que de la ramener, d'être dans la haine. Parce que c'est toujours elle qui essaie toujours d'attiser la haine. Là, moi, je veux dire ça comme ça. C'est mon avis à moi. C'est pas tout le monde qui dit la même chose, mais c'est mon avis. Moi, je pense que quand elle sort. Elle essaie toujours de manipuler les gens, essayer de vouloir retourner la chose contre les autres. Pourtant, elle-même, elle n'est pas facile. Parce que il veut dire vrai encore ici, la sortie de mes sentiers n'était pas mauvaise, mais c'est vrai, ça a été tellement virulent. Mais Compresso ne laisse pas le choix, me semble, de faire les sorties. Elle ne laisse pas le Et choix. moi, j'ai envie de
dire que, pour revenir sur ça, parce qu'on parle de tout, Bertrand revient avec notre profil, j'ai du mal à tout prendre avec ça, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que, on en parlait chez Bertrand tout à l'heure. Ouais. Compresseur, sur la toile, parce que les gens vont beau dire ce qu'ils veulent, on n'a pas trop de visibilité, mais les directs que nous on fait, Bertrand, Bertrand et Pasto, c'est ça qui détermine le bloc, c'est. Bien sûr. C'est nous qui donnons. On a passé 1000 vues, tout ça, mais on détermine. Compresseur, on a voulu donner l'opportunité à Compresseur de revenir au bon sentiment, d'arrêter. Parce que c'est même un clash qui ne leur rapporte, qui ne rapporte pas à Compresseur. C'est un clash que. Parce que finalement, sur Internet, il faut éviter les faux problèmes. Ah, ça. Tu vas finir de clasher, entrer dans les salles pour même. Mais tu ne changeras pas ton grand frère, Compresseur. Tu ne vas pas le changer. Il ne va pas te changer. Mais le spectacle va vous salir, en fait. C'est ça. Mais du coup, j'aimerais dire quelque chose. Le spectacle, moi, je pense là, que c'est, ça... là, c'est le mauvais côté de ce que vous faites, c'est que ça va vous salir, mais ça ne vous rapporte même pas. Mais du coup, moi, je veux. Bertrand. Oui. Bertrand, coupe ton micro, s'il te plaît. Le micro de Bertrand, c'est pourquoi. Il faut faire la mise. Comment on appelle ça? Du coup, la mise à jour, ton Facebook. Je pense que c'est Amélie. Moi, je dis, c'est Amélie qui fait en sorte que Compresseur reste sur mes sangs. Hein. Parce que la dernière fois dans son live, je pense qu'elle elle a appelé Compresseur. Elle a dit non, ta cible, on a une seule cible qui est mes sangs. Moi, je trouve que c'est elle qui encourage Compresseur de rester là-dessus. Parce qu'à un moment donné, Compresseur ne parlait plus de mes sangs. Mais quand Amélie fait les petits sorties, elle fait les petites piques, elle lance les petits piques, ça fait en sorte que Compresseur se révolte et puis soit encore sur mes sangs. Et c'est vraiment déplorable. Tu dis que tu es une femme d'affaires. Mais une femme d'affaires ne se comporte pas comme toi, Madame Amélie. Vous allez vous comporter telle qu'une femme d'affaires. Parce que tout ce que vous faites montre une fois de plus que vous voulez. Non, mais vous voulez faire le matuf. Non, non, non. Par rapport à ça, mais Amélie elle s'est construite avec ça. Hein. Elle s'est construite de faire connaître ses produits. Hein. Ah oui. Elle en profite. Oui. Je suis d'accord, mais on ne peut pas aussi tirer beaucoup sur Compresseur. Sa patronne en fait partie de tout ça aussi. Non, mais après, ce sont des adultes. Compresseur, à un moment, elle peut se dire, franchement, ça, la question centrale, c'est qu'elle doit se dire, ça me rapporte quoi? Parce que même les clashs, moi, je les arrête avec les gens, parce que je me dis, ça ne me rapporte rien. Je ne vais pas me salir à être le clash. Et c'est Flo qui a compris tout ça. Flo a compris qu'elle a à perdre en clashant les gens. Parce que Compresseur même devait comprendre ça depuis que, mais ça ne sert à rien de rester dans l'histoire avec son grand frère parce que ça ne l'avantage pas sur son image. Tu comprends? Et regarde comment elle était heureuse à être l'amie de Flore. Pourquoi elle n'a pas préservé une telle amitié? Même si c'était le sang blanc. Quelque chose qui l'apportait plus, même sa visibilité, même tout, être amie avec Flore, mais elle a préféré sacrifier ça. Pourquoi ne pas avoir réfléchi? C'est-à-dire que, je ne sais pas, maintenir un conflit qui te salit. Tu ne peux pas maintenir un conflit qui t'apporte, ça ne t'apporte rien dans le portefeuille. Ça te salit ton image. Donc, mieux, je reste dans une amitié où on me respecte, même si les gens pensent que ce n'est pas sincère. C'est des décisions, des très mauvaises décisions qui sont prises par des personnes qui refusent de réfléchir. Et ça aussi, c'est toujours mieux d'avoir un peu de la crédibilité. C'est toujours mieux d'avoir aussi de la crédibilité de certaines pages. Tu ne dois pas être dégaissé de toutes les pages quand même. Mais c'est ça, elle ne comprend pas qu'il faut, comment je vais dire, il faut limiter les dégâts. Voilà, limite les dégâts avec certaines personnes. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir Bertrand qui est là parce qu'on est en bon thème. Quand on est en bon thème, c'est beau. Pourquoi je vais avoir Bertrand sur le dos? Pourquoi je vais avoir Pasto sur le dos? Il faut limiter. Et parce qu'il y a des positions cash qui te ramène dans la boue. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans le direct de Bertrand tout à l'heure quand je donnais mon avis. Voilà. Et maintenant, il y a vous, les followers, qui aimez les clashs. Vous aimez les clashs, vous aimez ça. Mais je ne vous mens pas. Moi, je ne peux pas perdre 2 heures de temps. Je peux suivre ça un peu, mais je n'ai plus le temps de rester dans un direct où il n'y a que des insultes. Voilà. Je suis désolé, je ne supporte pas. Peu importe la personne. Ouais, c'est bien dit. Oui. Du coup, tu es là? On t'écoute, Bertrand. Ah ben oui, non, enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein, sauf que tu as tout dit. Tu as dit, tu as envie de voir des directs remplis d'émotions, parce que l'impression qu'on est content de voir le clash, enfin, qu'on a assisté au clash, c'est pas si simple que ça. Donc, on est en train de banaliser tout ça.
Et je crois qu'il est temps qu'on raisonne comme toi, par exemple, tu es en train de le faire. Voilà, je ne sais pas, le grand frère était dans son droit de répondre, mais d'un côté, s'il a eu beaucoup de sympathie, hein, si depuis 3 mois, le grand frère rentrait en grâce, c'est parce que justement, il ne répondait pas à Compressor. Alors, dès lors qu'il bascule dans l'horreur et qu'il remue la boue en public, bon, on va te dire que ça, c'est pas beau. Voilà, je ne vais pas dire plus que ce que j'ai déjà dit dans mon direct à moi. Cash, tu peux rebondir. Oui, mais nous savons tous aussi que le grand frère donnait plus de chances à sa petite soeur de revenir à la raison, même si sa petite soeur avait voulu qu'il sorte et puis mettre un terme à tout cela, mais il n'était pas obligé de sortir. Le simple fait de ne rien dire était aussi une réponse. Mais elle voulait à tout prix que monsieur nous en sorte et puis place un mot. C'est pour ça qu'elle est tout ça là en vrai. Mais ici, nous le savons tous que M. Messin a gardé tellement le silence. Et c'est un être humain, hein, on va beau le dire, mais Compressor, vraiment, elle est vraiment, je ne sais pas comment elle le fait, mais elle parvient à le toucher. Et il sort, il sort pas de main, il ne sort pas de main morte. Donc, Oui. on va en vouloir sa sortie, mais lui aussi, quelque part, il n'a pas tort. C'est Compressor qui l'amène à dire des choses pareilles. Et sa femme ne dit rien, sa femme n'a jamais rien dit. Et pour tout homme, tu peux pas regarder comment elle suit ta femme tous les jours et puis tu ne dis rien. Donc il sort défendre sa famille en quelque sorte. Bon, c'est un peu ça. On va beau dire non, sa sortie n'était pas bien. Il s'attaque à une femme. Mais la femme aussi, est-ce qu'elle elle n'est pas facile? Elle ne laisse pas le choix. Donc c'est ça. Ton opinion a évolué, hein, parce que ce matin, tu étais contre Non. tout ça. Ben oui, ben Non, voilà. je suis toujours. Non, mais arrête, Il a tout arrête de déformer mes propos. visionné. Je suis L'opinion a évolué, arrête, oui, tant mieux. je reste contre, c'est là, je le dis. Non, Je mais le dis, non, mais je ta position n'est pas assez précise, hein, Cash. Tu étais contre, effectivement. suis contre, j'ai dit, je suis contre, Soit tu es mais contre, soit tu es Compressor aussi pour. n'est pas facile. C'est ce que j'ai dit, est-ce que c'est mauvais, Parce qu'en même imbécile? temps, tu Ben, tu justifies es qu'il y a contre. qu'à bon réponse. D'un côté, tu dis qu'il a raison de sortir, plus que. On comprend pas bien. Écoute, je me répète, j'ai dit ceci, la sortie de monsieur me semble, même si c'était trop violent. Même si c'est défendait. C'est ce que j'ai dit dans ton live. Vous voulez que je dise quoi? Je ne change pas les mots. Je défends ça. Je veux continuer de défendre. J'ai dit en gros, ces propos ont été très, très violents. Nous sommes d'accord dans ton direct. Qu'est-ce que j'ai encore dit des signes différents de ce que j'ai dit là-bas? Mais Peut-être attends, les. allez, parce que n'oublions pas qu'on est en train de défendre la femme dans l'ensemble. Bon, allez, loin d'être misogyne, hein. Ce Bien qu'on sûr, veut bien dire, sûr. c'est. Bien Pardon. sûr. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'est pas en train de défendre Compressor. Non, on ne Voilà. la défend pas, on ne la On défend pas. défend la femme, on défend, on en fait dire qu'on ne peut pas traiter une femme comme ça. Voilà, C'est tout. Donc, il faut on ne la pas. défend pas, moi je ne la défends Voilà. pas. Donc, voilà la nuance. Parce qu'il ne faut pas confondre nos discours, mon discours à moi. Parce que c'est mieux, ça mérite d'être. Rappelé, oui, du Cameroun. Ouais, je suis là, je vous écoute. Hein. Voilà, donc le fait que, parce que, écoutez un peu un truc, Jean-Louis Messant a eu la sagesse dès le départ de rester silencieux. Et comme a dit Cash tantôt, le silence est une belle réponse. D'accord? Et dans ce silence-là, le grand frère est monté en grâce, c'est-à-dire. Il a gobé peu à peu, c'est trop beau. Et Compressor, effectivement, a tout fait pour qu'on parle de ses menstrues ou encore qu'on parle de ses mésaventures. Mais le grand frère aurait mieux fait, bon, moi, c'est mon avis, hein, de rester comme il était là. Parce que là, maintenant, ce qu'on entend hier, là, ça peut lui laisser croire que le grand frère fait semblant d'être. Bah oui, bah voilà, j'ai fini. Hein. Peut-être je laisse la parole à Marc qui est monté. Si je ne me trompe pas, c'est Marc qui est monté. Oui, il y a un bruit là, ça peut pas. Une Ah, le minute. bruit, c'est qui comme ça? Une minute, s'il vous plaît. Le micro, du coup. Où d'abord le micro, Marc? Allô? Oui. Allô, vas-y, vas-y. Ouais. Oui, désolé, je suis au boulot, donc j'ai dû sortir pour parler. Waouh, Mamie Congo, ça avait voulu ça. Ouais, c'est comme toi, non, mon père. Toi-même, tes papas composaient, ça te laisse. Mais tu as la discrétion, ça fait qu'elle travaille un peu plus facilement. Vous savez, nous on a dit qu'on veut plus
les problèmes là parce que la toile était trop sale. La toile était trop sale, c'est pas bon. On a dit qu'on allait à la paix et il faut qu'on sorte de là. Je pense pas que le grand frère Messan va encore faire une sortie aussi musclée. Je pense pas. Moi, je le disais toujours que le jour qu'il sort, il y aura beaucoup de pleurs. Je disais, même déjà le week-end dernier, il a d'abord fait une première sortie. Moi, je n'étais même pas là, j'étais occupé. J'ai vu les coupures après. J'ai dit, waouh, j'ai vu une coupure chez Ducamer. J'ai écouté, j'ai dit, mon Dieu. Moi, je me disais qu'après ça, franchement, notre soeur là ne peut plus sortir. Mais c'est plus fort qu'elle. Je dis bien, c'est plus fort qu'elle. Et que ça ne vaut pas la peine que M. Messan vienne encore se salir. M. Messan, restez comme la star. Ne sortez plus. Ça ne vaut pas la peine. On a déjà tout entendu. Ça ne vaut pas la peine. On a tout entendu, M. Messan. Ne venez plus vous salir. Parce que vous allez redescendre dans la boue. Parce qu'il y a des personnes qui vous tirent toujours dans les classes. Même quand vous voulez sortir. Vous voyez, par exemple, quand Flore a fait. Elle a essayé de donner quelques conseils à la star de la TV, Tata Lolo. Les gens ont interprété ça autrement. Mais pourtant, c'était des bons conseils, c'était pas mauvais. On peut décrire peut-être que c'était pas. Chacun va analyser comme il veut, mais les gens n'avaient pas besoin de faire tout ce qu'ils ont fait. Vous avez vu ce que ça donnait comme retombée après. Que les gens qui étaient ensemble se séparent parce que certains n'ont pas accepté. Ça voudrait dire que même quand les gens faisaient la paix, beaucoup n'ont pas accepté cette paix. Donc, ça ne sert à rien que le grand frère ressorte encore parce que je pense qu'on voudrait qu'il rentre dans les clashs. Et puis, moi, je dirais ceci. La dame qui se dit milliardaire, qui vend les produits, il faut qu'elle arrête. Parce que c'est elle qui est l'auteur de tout ça. Parce que si elle arrête aussi, je pense, si elle donne des vrais conseils à notre soeur compresseur là, peut-être compresseur va arrêter. Je ne comprends pas comment tu veux vendre les produits, mais tu rentres dans les insultes. Moi, c'est ce qui me dépasse en fait. C'est ça qui me dépasse. Que tu es dans les insultes pendant que tu vends les produits. Et on nous fait savoir qu'elle fait du chiffre. Quel chiffre elle fait? Je veux savoir quel chiffre tu peux faire dans Est-ce que les ça nous insultes. intéresse même? Moi, je dis toujours qu'il faut qu'on préserve le truc des gens. Ça ne nous intéresse même pas de savoir ce qu'elle fait. Nous, en restant sur. Enfin, pour dire tout simplement que nous, quand on parle des gens, on laisse leur marché, leur truc. Si elle trouve son compte là-dedans, tant pis, mais rentrons un peu, comme tu disais, dans ce qu'elle fait dans le Congo. Ça, elle s'en sert. Ben oui. Est-ce que tu as Je fait ça? ne comprends pas pourquoi franchement, quand on veut même respecter les gens, il faut que les gens aussi donnent les moyens. Il faut que les gens là nous Les donnent les mafias moyens qui vont pour qu'on les. pas arrêter, hein. Mais attendez, peut-être que vous n'analysez pas bien le Congo, ça, si. Hein. Mais quand on te parle d'un gars comme Ahmed Kamara, quand tu as un clash avec Ahmed Kamara, tu attends qu'il arrête de t'insulter. Tu Non, attends. non, non. Je parle pas. Est-ce que tu me Je vois parle parler trop dans mes caméras? de ce genre de spécimen, Oui, de oui, compression. Tu as un clash avec, compression avec le clash, c'est parce que même avec Flo, il y avait des intérêts. Eux, ils n'arrêtent pas. Mais maintenant, est-ce que tu vas rester là-dedans? Mais il faut être sûr. Je ne sais pas. Pour espérer que compresso n'a jamais entrepris la paix avec quelqu'un. Hein. Même ce qu'elle a fait Babalès, c'était parce que c'était le cinéma. Hein. Non, on vous dit c'est une haineuse. Et comme moi, je la clashais, elle dit que je n'ai plus le temps pour ça me fatigue. Tu vois? C'est Mais une c'est fille de pourquoi haine. Tu quand ne même, comprends moi, pas? j'interpelle plus sa bosse, comme elle l'appelle. Mais même sa Je bosse, l'interpelle. tu penses qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait? Tu croyais que cette femme, elle est bête? Oui, mais c'est la Guta qui a semé le bordel, le chaos. C'est la Tu croyais que c'est une Guta. femme qui est bête? Elle se sert de ça. Elle Ça a lui même défié Fleur de Lille en chaos. Hein. Enfin, si on peut résumer un peu comme ça. Parce que le chaos qu'elle a semé, bon, on a vu que le feu. Elle se sert de Parce ça qu'il y a si pour se peu, on ne défendre. la connaissait pas, mais elle a réussi à mélanger la toile camerounaise. Voilà, je ne sais pas, c'est la Guta. Hein. Oui, Marthe. C'est compliqué que, franchement, c'est très compliqué. Partie comme ça, la toile ne sera jamais Non, calme parce que. le problème c'est que
quand tu quittes les clashs, tu ne quittes pas parce que les autres ne arrêtent. Tu quittes parce que c'est ta conscience qui te dit de partir. Bien sûr. Voilà Flo qui est là. Flo attaqué. Est-ce que Flo n'est pas attaqué? Composition attaque Flo. Comment? Et elle adopte un très bon. Elle quitte pour ses affaires, elle quitte pour son nom. Tu vois? Oui. Elle adopte un très bon comportement parce que si tu continues à rester dans les clashs, même les ouvertures, tu ne les auras pas. Non, composition, je dis, Flo, elle a lavé son image. Ben oui, elle a lavé son image. En fait, tout le monde ne veut pas sortir dans les clashs. Mais on veut que tu vois Pasto, Bertrand et Ducamel s'entendent bien. Mm-hmm. Et tu vois, il n'y a plus trop de clashs entre ces trois-là. Non, même quand Bertrand tourbillonne, Pasto sait comment il lui parle. Moi, j'ai compris Bertrand. Bertrand ne tourbillonne pas. Hein. Bertrand, au contraire, il est très juste dans ses sorties. Je ne vous mens pas. C'est en prenant un peu de recul que j'ai compris. Bertrand, il a changé de temps. Comment ça se passe dans l'affaire de Bertrand et moi, pardon, cache. Non, tu as ton analyse. J'ai le mien. Tu sais que... Laisse. Je dois hot, mais tu sais comment Bertrand m'a déjà insulté. Non, pardon, Marc, pardon, ne dis pas que je viens, on entend, on veut que j'insulte. Bertrand n'a pas insulté qui, Bertrand a insulté tout le monde. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'on l'a insulté, c'est pour rigoler. Bon, on parle pas de moi ce matin. Bertrand m'a me tué, il dit que c'était pour rigoler. Toi, tu es grave. Ben oui, parce que bon, là, on a voulu parler de compresseur, hein. Et d'ailleurs, la sortie de Marie aussi a été tellement maladroite qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elle veut s'attirer toutes les foudres des réseaux sociaux. Mais elle en fait jouer le feu, hein. Je sais pas. Marie Fonja, parce qu'il y a la narguée de l'autre jour avec une fille. J'ai vu ça hier soir, j'ai partagé pour... J'ai vu ça hier soir. Bon... Je ne sais pas. Elle nargue ta star avec une fraise à la bouche. Est-ce que tu connais la fraise de Lolo Fodja? Non, elle n'a pas dit ça. Dis le nom, Bertrand, tu le poses. Non. Vous savez... Lolo est passé à autre chose. Peut-être les gens ne le savent pas. Les gens ont tendance à dire non. Mais Lolo est passé à autre chose. Elle ne nargue pas Lolo. Elle se nargue elle-même. Si les gens pensent que c'est Lolo qui est nargué, parce que moi j'ai vu un commentaire. Non. Lolo est passé à autre chose. Elle est chère en dansant comme une gamine. Elle dansait comme une gamine sur la chanson de Cher. Ne rentrons pas dans le dénigrement. Elle s'amuse avec son copain, comme elle veut. Maintenant, tant qu'elle ne va pas nuire à d'autres personnes sur la toile, on la laisse tranquille. Si elle nuit, c'est là où il y a un problème. Mais j'ai écouté, je ne sais pas pourquoi il y a eu... j'ai entendu, elle menaçait Ducamel. Oui, elle a promis la bastonnade. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai juste partagé le truc, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ducamel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Je commentais dans le live. Bien que Fondia, je ne le vois pas heureux. Hein. Il n'est pas heureux. Et puis, c'est là où c'est parti, là, mes commentaires. Et puis, elle a dit elle sait où je... Elle est tout le temps là où je... Donc, elle connaît le restaurant que je fréquente. Et là-bas, elle va me bastonner correctement. Voilà. Et... ouais, que en fait, on est dans sa vie, machin. C'est pourquoi je lui rappelais qu'on est dans sa vie parce que c'est justement l'homme, son concubin, qui fait qu'on est dans sa vie. Moi, je ne la connaissais pas, je n'avais même pas l'intérêt de parler d'elle. Et quand son concubin est dans le Congo, ça, il a encore les crédits dans le Congo, ça. Et quand elle joue le jeu d'envoyer les vidéos, de prendre les vidéos, qu'elle savait lui en avoir compris. Elle-même, elle est dans le Congo, ça. Voilà, quand tu fais ça... Puisqu'elle a fait plusieurs vidéos plusieurs fois, et même elle est dedans. Pourquoi tu penses que son mec n'est pas heureux? Pourquoi tu penses que le boy n'est pas heureux? Ben, quand j'ai regardé cette vidéo, je l'ai trouvé trop triste. J'ai donné mon avis. Elle pouvait ne pas être d'accord. Peut-être qu'il venait de se réveiller du sommeil du Camer. J'ai donné mon avis, hein, simplement. Peut-être qu'elle pouvait ne pas le partager. Hein. Non, Matt, moi je partage mon avis que du Camer. Pourquoi? Parce que quand tu es heureux, tu n'es pas obligé de nous montrer à chaque fois que tu es sur la toile. Et donner les balles, juste parce que tu es d'une tribu, je ne dirais pas d'une tribu, tout simplement parce que ouais, tu t'entends avec compresseur. Vous savez que c'est compresseur qui a fait sa pub. Donc, il faut qu'elle fasse sa pub contre Lolo, donc c'est normal. Moi je ne peux pas dire qu'elle n'est pas heureuse et que lui n'est pas heureux là-bas. Je ne peux pas dire. Je ne suis pas là-bas. Je vois, c'est pas... Parce que s'il n'était pas heureux là-bas, après des années, aller se mettre avec elle. Non, attends. Non, il n'a,
quand même. Il n'a pas reçu le choix. Il n'a pas reçu le choix. On l'a mise dehors. C'est normal qu'il soit là. Bah oui, bah oui. Ah. Elle est contente de reprendre les restes, oui. Les beaux restes. Hein, il n'a pas eu le choix. Lolo l'a mis dehors. Non, c'est normal qu'il soit là-bas. Elle est juste contente de reprendre les restes. Mais il a été jeté dehors. Il a été jeté dehors. C'est pas comme si c'est Lolo. C'est lui qui a voulu partir. Non, c'est Lolo qui l'a mis dehors. Et lui-même, il m'a clashé. Peut-être qu'il a pas su. Lui-même, il m'a clashé. Il me disait que je dors au canapé. Oui, j'ai écouté. Revenons un peu à ce que tu as écrit. Est-ce que c'était sympathique ton commentaire quand tu dis que tu n'es pas heureux? C'est déstabilisant. Ça, non, c'est un avis. Hein. C'est un avis. Peut-être que... Oui, mais quand tu me dis, quand tu dis que quelqu'un n'est pas heureux, ça peut, c'est déstabilisant parce que quand on n'est pas heureux, on ne sait rien faire. Donc, Bertrand, elle pouvait aussi répondre à Ducamer si elle n'est pas belliqueuse, que c'est toi qui vois. C'est tout. Mais ça arrête là. Mais Matt, comment un homme peut être heureux sachant que tu es aussi marié à un blanc? Ça se fait? Je ne sais pas, c'est vrai. Hein. Ouais. Non, dis-moi. Mais bon, ça veut dire que c'est lui, elle est polyandre, si j'ai bien compris. Oui, ce qu'on entend, on entend qu'elle est mariée. On entend donc, qu'elle est mariée. La polyandrie, ah, bravo. On entend qu'elle est mariée. Oui, mais donc, façon, moi, on va régler ça, hein, parce qu'on va... Attendez, je réponds un peu. Je réponds un peu parce que... bon. Parce que... Le bonheur, il est... Elle se sentit offensée par ça, mais dans une relation publique, puisque eux, ils sont dans une relation de public, hein. Ils sont dans le... Donc, on va commencer. Oui, oui. Voilà, si elle n'est pas d'accord avec mes commentaires, Matt, fais ton micro. Oui, je... Si c'est ça, parce que j'ai dit qu'elle n'était pas... Je ne trouvais pas que le mec était heureux. Si les gens pensent que c'est insultant parce que quelqu'un l'a dit en commentaire, je pense qu'il faudrait qu'ils sortent un peu de la maison, qu'ils fassent autre chose. Parce que s'ils font les vidéos toujours à la maison, je ne trouve pas ça très, très... Je trouve pas ça assez divertissant. Donc, j'aimerais les voir dans un bateau. J'ai vu qu'ils voyagent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Être à la maison à tout le temps. Louis, c'est un ouvrier maçon. Hein. C'est un ouvrier maçon. Il ne gagne pas sa vie en tapant sur des claviers d'ordinateur. Hein. Il gagne sa vie modestement comme toi, comme moi, comme Pastor. Alors, pourquoi tu voudrais qu'il aille faire des balades en bateau? Mais son commentaire peut aussi avoir un sens, puisque la femme est mariée aussi ailleurs. C'est pas seulement lui, il est là juste pour un temple. C'est même humiliant. Mais c'est vrai que Stéphane Fonda était toujours habitué, hein, parce que même ses copines, parce que je le connais, hein, parce que je connais bien son histoire, puisque quand on était jeune, on traînait dans la même boîte à l'époque, le 7-8, et il avait pour habitude, n'est-ce pas, d'avoir déjà des copines qui sortaient avec des blancs. Donc c'est une habitude, c'est pas nouveau. Et bon, il était déjà bien hein, au Cameroun. Hein. Il avait sa petite voiture, il avait une vie assez moderne. Ah. Je dirais qu'il a régressé même en vieillissant. Mais là, lorsque du canard touche le fond en faisant le commentaire, ça avait sa place. Oui, bah, non, je pense pas. C'est déstabilisant. Bon, je peux pas non, dire mais c'est déstabilisant. Mais est-ce qu'elle est, pour moi, n'est pas heureuse hein, parce qu'une femme qui a. Non, c'est Stéphane. On parle là du boy scout. Hein. On parle pas de la fille, puisque c'était qui. On parle de qui là? On parle de Stéphane ou bien de Langa? Les deux. Du Camer a raison de dire que toutes les vidéos sont toujours faites dans la maison et autres. Pour les personnes qui sont libres, qui sont heureux, franchement, qui sont heureuses, tu dois les voir peut-être dans un restaurant. Voilà, c'est ça. Tu dois les voir un peu partout. Peut-être que le fond. Alors, ils le font et puis on nous met pas la vidéo, on nous met que la vidéo quand ils sont à la maison. Non, on peut se nourrir de la vidéo. Moi, je regarde. Hein. Non, mais ils ont commencé avec les vidéos, mais on veut voir aussi ça. Donc, on en parle. Pourquoi ne veut pas qu'on commente ça? Mais toi, quand tu veux rester discret, tu mets aucune vidéo. Aucune. Voilà. Aucune vidéo. Quand tu veux rester discret. Facebook, tu peux restreindre. Tu peux restreindre à un certain public. Oui. Mm-hmm. Mais là, si tu commences déjà à mettre les vidéos, même sur TikTok et autres, ça voudrait dire que tu veux qu'on sache qui tu es. Il faut quand même dire, hein, que je m'intéresse même à une relation, c'est parce qu'il y a Fonja dedans. Je pense que j'aurai le temps. Avant, on entendait parler d'elle, on entendait parler sans même connaître, même son visage, on ne connaissait pas. Oui. Matt,
Maj, je ne sais pas si tu évites seulement de le dire, mais tu sais aussi les sorties aussi pour choper Lolo. Il faut le dire. Hein. C'est pour ça que j'ai dit comment on veut se rincer les yeux. Mais on va en parler. Tu as quand même le droit de commenter, de dire ce qu'il pense. Mais oui. Ils ont décidé de sortir pour venir choquer Lolo. Nous, on veut voir les vidéos et on va analyser pourquoi il promet maintenant les bastonnades. Puisque dans certaines vidéos, dans une vidéo, on avait vu comment elle naguait Lolo. Elle a fait une vidéo où elle a dit des choses contre Lolo. Elle a laissé même Compressor dire des choses sur Lolo. Alors, même l'enfant de Lolo a été filmé. Compressor a dit qu'elles étaient chez Lolo quand Lolo n'était pas là. Donc, il faut faire attention. Ils veulent qu'on parle d'eux, on va parler d'eux. Quand mon papa Fondia était avec Lolo, il se filmait rarement. C'est Lolo même qui partait même encore mettre la caméra sur lui de temps en temps. Mais il n'aimait même pas. Il mettait toujours la casquette, on ne voyait pas son visage. Il est sorti à peine. Lolo n'aimait même pas le mettre machin. Même quand il partait mettre la caméra, il ne montrait pas le visage. Mais là, il est là, tu vois, il a le visage ouvert, tout. Donc, si vous voulez mettre la caméra, on met la caméra sur vous, c'est comme ça. Et on met aussi les commentaires sur vous. Tu ne promets pas les bastonnades. Pourquoi promets les bastonnades? Elle promet la bastonnade à Ducamel comme ça. Là. Elle promet parce qu'elle va dire qu'on va rester tranquille. On ne va rien dire. Mais Ducamel, va têter. Le souci, c'est que Ducamel, c'est un homme. On va se dire que comme c'est un homme, quand elle va venir assommer un coup à Ducamel, Ducamel va regarder. C'est ça aussi. Ouais. Parce qu'il faut... Vous promettez des choses aux gens. Tu vois donc quel impact tu vas apporter à la société. C'est moi un simple commentaire à faire en sorte que tout part en vrai. Tu vois, quand je vais dans un direct, je vais déstabiliser quelqu'un, je sais comment le faire. Je sais. Voilà. Tu vois, c'est toi qui n'es. Tu ne sais pas qui tu es. À un moment donné, il faut prendre le sourire. Oui, mais il faut qu'elle arrête avec la violence. Ouais, elle parle de violence. Si elle-même, là, on l'avait menacée quand elle sortait, pour juste sortir là. Qu'elle arrête ça. Qu'elle arrête de ne bien pas menacer les gens. Juste pour un commentaire, tu menaces. Oui, je l'ai même vu l'autre fois. Je vais l'arrêter, je vais dire. Tu vas faire quoi, maman? C'est un homme, du camion, c'est un homme. Tu penses qu'il va te regarder quand toi, tu vas venir lui donner un coup? Oui, elle a dit qu'elle va payer les gens pour taper sur du camé. Mais nous ne sommes pas en commando ici. C'est pas ça, elle ne sera pas le patois pour effrayer les gens. Nous ne sommes pas en commando. Qu'elle paye quelqu'un pour venir taper du camé. Ça finit au tribunal. C'est grave, des propos comme ça. C'est grave ce qu'elle a dit. Donc si elle pense que c'est les... Non, tu ne peux pas menacer. Moi, j'ai partagé parce que j'ai entendu elle menaçait. Et tu as seulement partagé. Oui, j'ai partagé ça. Et je n'ai pas compris. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'elle demande un pas du camé. Il a fait quoi pour que ça arrive à ce niveau-là? Mais il n'a pas insulté. Est-ce qu'il a insulté? Mais quand il a menacé. Que tu n'as pas l'air heureuse. C'est assez pour que tu sortes de tes... Allez, c'est assez pour te déstabiliser. Mais c'est vrai. Du camé a dit la vérité. Imagine, Marc, que je te dise que tu n'es pas heureuse. Imagine un peu ce que tu dis. On est venu nous vanter. Oh, elle est belle. Oh, elle est ceci. Moi, j'entendais... Je ne veux pas parler. Non, ça reste une vieille marmite comme tout le monde. Hein. Ce n'est pas une jeune fille de 20 ans. Après, il y a une vieille cocotte. Quand je dis que c'est une forceuse, qu'elle force, c'est là alors que la femme est une folle. Ah, tu as mis. On a raison de te mettre là. Mais attendez, Belanga, tu as pensé. Nous sommes les dragueurs. On a raison de te menacer. Comment tu parles mettre ces commentaires-là? Mais moi, je t'aurais la vie. Le gars est là, il ne fait pas la même chose. Tu forces. Aide à manger à Stéphane. Avec du camé, je t'aurais lavé, mais pas te commettre là-bas. Sinon, il t'aurait bien lavé. Tu fais un commentaire comme ça, pourquoi? Elle va tout faire ça, mais est-ce que le gars va être heureux, en fait? Est-ce qu'il va sourire? Est-ce qu'il va être content? Stéphane était triste. Qu'est-ce que tu en sais? Le gars n'était pas chaud. Mais est-ce qu'il danse souvent? C'est rare. Je vous ai dit, même avec Tata Lolo, vous voyez souvent, il était toujours là comme ça. Il n'aimait pas trop la caméra. On est sur vous. Elle, maintenant, elle a récupéré. Qu'elle fasse le bonheur, il faut qu'on voit. C'est ce qu'on veut.
Qu'elle fasse son bonheur, c'est ce qu'on veut. Elle a dit qu'il était malheureux. Mais maintenant, on veut voir s'il est heureux. Mais il est pas heureux. La polyandrie à Mondovision, c'est quoi cette histoire? Je t'assure. Elle est fière de le dire. Elle veut qu'on partage ça. Madame, il n'est pas heureux. Lâchez-le. Vous faites le. Mais non, la polyandrie, bon, allez, ça veut dire que Stéphane, c'est une route de secours. Bon, moi, j'ai pas envie de parler de Stéphane parce que, bon, c'est l'ex de Lolo, mais on a entendu beaucoup de choses ici sur la toile le concernant aussi. Hein, donc, mais il aime l'alcool, c'est ça? Oui, ça, c'est pas un enfant de. C'est son délit, c'est son mais attends, lui-même, c'est pas un enfant de cœur aussi. Hein. C'est pas un enfant de cœur. Il m'a dit qu'il m'a lavé. Il m'a lavé, hein. C'est pas un enfant de cœur. Il marche avec il marche pas avec les enfants de cœur non plus. Son ami qu'on a vu, on a vu son ami là avec qui il marche, Mambo et autres. On a vu Mambo, non, le Mambo. On a vu ici Mambo a été affiché ici sur les réseaux sociaux. Donc c'est des gens qui font des choses pas correctes. Hein. Donc, Mambo, sa nudité a été affichée ici. Une femme a affiché sa nudité ici. On ne sait pas ce qu'il avait fait à la femme. Là. Ça circulait partout. Donc, ce ne sont pas les enfants de cœur. Ah, bientôt, pour Marie, va atterrir sur la toile. Puisqu'elle est, elle veut devenir blogueuse. Donc. Bientôt, son sang calestant aussi va atterrir sur la toile. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On a dit en 2024, on ne veut plus qu'on affiche les nudités des femmes. Hier, nous, hein, parce que sa petite jupe là se soulevait, sa petite robe là se soulevait hein, de temps en temps. On ne veut plus. On veut plus les nudes des femmes sur les réseaux sociaux. Ça, je suis contre ça. Que ce soit de même de ma pire ennemie, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On sait pourquoi on combat les personnes qui attaquent les mamans, les enfants et autres. On ne veut plus cette image-là. Et les personnes simplement qui promettent la bastonnade. Hein. Oui, non, on ne veut plus. En fait, on ne veut plus cette image. Regardez-vous, là, vous avez changé. Hein? Dicamé, combien de fois je venais souvent dire à Dicamé, laisse tes soeurs là aussi, laisse tes... Plusieurs fois. Plusieurs fois. Qui pouvait imaginer toi, Marthe, au standard de Dicamé un dimanche matin. Mais, ça a beaucoup évolué, c'est bien. Je vois même des vieilles vidéos de 2020. Non, non, non. Quelle vidéo c'est pas, mais Dicamé, mais ça, c'est pas aujourd'hui que j'ai fait des vidéos de toi. C'est là où j'ai même vu que tu bloguais. Il y a des vidéos de toi à Visa Découvert. Hein. J'ai vu, de 2020. Où tu mettais. Tu parlais à Visa Découvert, j'ai vu. Je dis je venais souvent dire à Dicamé, laisse comme ça, laisse. Je lui disais. De laisser ses soeurs comme ça. C'est pas aujourd'hui. Mais attendez, non, mais vous un enfant de cœur. Comme vous le disiez aussi, hein, c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas trop d'accord avec l'idée qu'il faut respecter les femmes. Il faut respecter tout le monde. Parce que dans ce bloc, comme on disait tout à l'heure pour Jean-Louis, hein, il a été dans la réaction proportionnelle à la taille. Tu comprends? Mais du cas, mais parlons pas de l'instant. Une cache, tu permets. Seulement, ce qu'on a dit, tout va de soi, de celui qui va apprécier ça ou pas. Tu comprends? Mais leur clash est déjà une dimension que, gars, vrai, moi je vous dis très sincèrement, et je parle ici. Non, je pense qu'on va essayer de parler avec les gens. Moi, je crois, Tatana, on va essayer de dire à Tatana si elle peut convaincre le grand frère de baisser le volume. Moi, c'est du parce que le volume est trop. Non, Tatana, elle adore ça. Pourquoi tu veux que Tatana soit mécontente de ça? Elle aime ça, Nadège. Si on parle de ça, je suis juste parlé, c'est d'actualité. Mais quand tu connais pas Tatana, laisse Tatana, tu la connais pas, elle n'aime pas ça. Non, clash compresseur constamment. Pourquoi veux-tu que, bon, qu'elle dise non. Non, elle répond à compresseur de Bertrand. Est-ce que tu la vois venir placer sa caméra expressément et puis elle dit, c'est chaque fois que compresseur a parlé d'elle qu'elle est obligée de venir répondre. Elle est rentrée dans les insultes des enfants et autres à cause de parce qu'on a attaqué aussi les siens, Bertrand. Tatana ne vient jamais répondre. Elle ne faisait pas le blog comme tout le monde fait le blog, Tatana. Elle vient toujours répondre quand elle est attaquée. Elle vient toujours répondre. C'est pas. Oui, voilà. Il y a un commentaire qui dit voilà, est-ce que le grand frère ne peut pas se respecter et laisser des clashs? Voilà, c'est Audrey qui pose la question. Mais voilà, c'est une question bien pertinente. Le grand frère avait a laissé les clashs depuis le début de l'année. Depuis la fin d'année et le début de l'année, il a dit il sort des clashs.
Mais on veut toujours le tirer là. Audrey, quand tu viens poser cette question, on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Mais Audrey, vous faites comme si vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Le grand frère ne répond pas. Mais Marc, il est sorti. Par exemple, il était insulté. C'est plus que toi. On l'a accusé même des trucs graves. Il n'a jamais répondu. Mais est-ce qu'il a perdu la Mais c'est ce que je... Mais non, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que parce qu'il ne répondait pas, ça veut dire qu'il ne réagissait pas. Ne pas répondre est une réaction, mais positive. Mais bien sûr. Mm-hmm. Oui. Regardez le niveau de ceux qui l'attaquaient. Il a compris que ça sert à rien de perdre le temps. Ne pas les adeptes de la team vérité, mais en quelque sorte, vous voulez. Mais à femme insulte depuis, est-ce que je lui réponds? Donc vous pensez que c'est parce qu'il ne pas m'asseoir là? Je trouve ça inutile. Je ne peux pas lui répondre tout le temps. Il va me mener dans une histoire que je dois gérer que lui. Je ne réponds pas. Mais sinon, du camé. Mais du camé, c'est différent. Non, mais c'est pas. Du camé, c'est différent. Non, pas. Qu'est-ce que c'est quand tu es caricaturé? Non, non, non. Du camé, tu n'as jamais mangé avec la femme. Attends, je te dis la gravité. Non, je vais te dire, tu n'as jamais mangé avec la femme. Non, ça n'a rien à voir. Attends. Non, non, Marc, ça n'a rien à voir. Quand tu prends la photo de quelqu'un, tu caricatures. Tous les jours, tu perds tout le temps. Je suis quelqu'un qui a des enfants, j'ai des collègues de service. Le père de luxe que tu vois là. Est-ce que c'est que le clash de père de luxe était atterri dans mon travail? Tous mes collègues la regardaient en train de me clasher. Mais vous parlez de quoi? Mais tu te plains qu'on a pris ta photo, on a fait la photo de profil avec ça. Mais tous les gars qui sont ma photo de profil, tous les gars, vous voyez la photo que Patricia a coupée. Avec ta caricature. Salut, J'étais dans le direct de Pispis. J'étais dans le direct de Pispis. Ils ont fait croire que je suis sorti du noir. La caméra s'est retournée. Non, c'était volontaire. La caméra ne s'est pas retournée. Ils ont pris une vidéo de moi, même celle où je parlais avec le foulard. J'étais même malade quand je faisais. C'était une vidéo. Ils ont coupé tout ça. C'était des vidéos. Ils ont coupé et ils ont fait des photos de profil. Eux tous. Il y a le profil Mboma Pepito qui a ça là-bas. Il y a Christian de Monatiele, presque tous. Il y a, comment il s'appelle, Joséphine Aubin. Elle se balade avec ça partout. Partout, il se balade avec. Je ne les ai pas provoqués, hein, mais il se balade avec. Parce que Patricia a fait un direct où elle dit que moi, j'attaque le compresseur. Je ne sais pas où. Ils ont pris mes photos. Mais l'autre qu'on appelle Oro Angula a pris ça. Elle allait donner. Vous savez à qui? À Coco Lago. Que je ne commente même rarement dans les directs de Coco Lago. Mais elle est donnée à Coco Lago en disant que c'est Christian de Monatiele. Oui. Vous allez aussi comprendre que le fait seulement d'intervenir parfois dans les lives, on insulte quelqu'un, peut faire en sorte que vous soyez une cible aussi. Hein. Ne négligez pas. Bien sûr. Moi, je suis la part de Ducamé ici. Mais demain, on peut me clasher ailleurs. Pourtant, je ne sais pas si je dis quelque chose de mauvais. Mais on me cache. Oui, mais sauf que ça, tu n'es pas avec ton nom. On est en train de faire un bloc qui ne met personne en cause. C'est pourquoi on a fait des analyses dans le respect. On ne garde pas le sujet. On fait attention. Tout le monde qui commence est protégé, en fait. Un bon... quelqu'un qui fait le direct, il protège ces gens. Ça veut dire que tu évites le sabotage, tu évites d'avoir... C'est comme... voilà, regarde par exemple, les gens ont remarqué hier les commentaires de Tata Lolo dans la direct de Messan, par exemple, tu vois. Par exemple, les gens commençaient à dire que Lolo était dans le clash et clashait, par exemple. Pourtant, ce n'est pas elle qui était, c'était pas son live. Hein. C'est pour te dire que tu peux être dans un direct, tes commentaires te mettent en cause. Non, tu connais. Mais moi, j'ai vu les commentaires de Tata Lolo. Tata Lolo ne clashe pas. Il y a le profil qu'on appelle Hervé Nana. Non. Attends, je vais te dire, Ducamel, le profil Hervé Nana, parce qu'on nous a expliqué que Hervé Nana, c'est à femme à femme. Il a provoqué Tata Lolo dans le direct. Il est venu dire là-bas. Tata Lolo répondait aux commentaires des gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on ramène sur elle, franchement, laissons-la un peu tranquille. C'est même pas pour vous. Oui, non, mais puisque les gens le disent, c'est que Tata Lolo est répondu. Moi, j'étais dans le direct là. Attends, j'étais dans ce live, j'ai essayé de saluer, mais j'ai eu du mal à le commenter parce que je ne savais pas quoi dire. Moi, je t'ai dit la vérité. J'ai eu du mal à commenter. Moi-même, j'ai écouté. Voilà. Moi-même, j'ai écouté. J'ai pas commenté. Et j'ai... Moi, je mettais seulement les... je riais parfois parce que ça me dépassait. Je n'ai pas commenté en tant que tel dans le direct. N'ai pas commenté. Celui à compression, pareil. Il y a le gars, celui à compression, j'ai même pas... Même découpé, là, j'ai dit, c'était violent.
Donc, moi, je veux dire un truc, hein, mon ressenti. Hein. Je veux le dire. Je soutiens toujours le père Messan. Je le soutiens dans la haine avec ces gens. Mais je pense que le clash est en train de prendre une tournure qui est contre mes valeurs parce qu'eux, ils ne vont pas s'arrêter. Et ils ne vont pas s'arrêter dans ce truc-là. Et Compression, en fait, je ne considère même pas que j'ai vraiment, pour l'instant, un gros clash avec elle. Quand je fais des remarques, parce que c'est quelqu'un qui a besoin des conseils, je vais m'asseoir, je lui dis. Voilà, parce que je ne crois pas l'avoir déjà dit qu'elle est laide ou bien m'attaquer à son physique. Parce qu'honnêtement, moi, je ne la trouve pas moche. Vous voyez un peu? Voilà, je ne la trouve pas moche. Je ne veux pas... Leur clash est en train de... Ils ne vont pas s'arrêter. Et honnêtement, je le soutiens toujours parce que je vais être fidèle, je vais être loyal. Mais là où ça part, là, franchement, j'ai du mal. Moi, je vais seulement observer ça comme ça. Là. Mais Compression, quand j'aurai envie de lui dire quelque chose, je vais lui dire, mais d'une manière quand même plus comme avant. Parce que, voilà, je lui parle aussi pour qu'elle change. Parce qu'il y a des gens que c'est les clashs qui les changent. Je vous le dis. Il y a des gens que quand tu les clashes, ils changent. Mais ils vont trop loin et ils ne vont pas s'arrêter. Et je ne suis personne. Je ne suis personne pour les demander d'arrêter. Non, non, le grand frère s'en va arrêter. Le grand frère s'en va arrêter. Non, je ne parle pas au nom des gens. Non, mais c'est qu'il a fait hier. Il sait qu'il ne peut plus. L'autre dialogue va sortir. Avec Amel, il ne va pas lâcher. Comment vous n'analysez pas un clash? Ils n'arrêteront pas. Oui, mais eux, ils n'arrêteront pas. Mais nous, on va pas. Nous, on va motiver le grand frère à ne plus sortir. Mais comment tu vas... Le grand frère, c'est une grande personne, c'est un adulte. Moi, je soutiens. Mais là où il partait, c'est devenu trop n'importe quoi. Moi, je dis ça. Je ne sais pas si Nadège, elle est dans le direct, partage le même avis ou pas. Mais je pense qu'eux, ils vont dans les... Bon. J'ai plus envie que... Moi, j'ai plus du tout envie de ça. Moi, j'ai envie de me divertir. Très honnêtement. J'ai envie de me divertir. Vous avez même Marie. Marie, là, est-ce que je l'ai insulté là, en lui répondant? Je l'ai pas insulté. Non, mais moi, je pense que le grand frère, il doit aller dans la lancée comme il a fait hier avec la pub, des trucs. Moi, j'ai aimé, franchement, vers la fin de son direct, ce qu'il a fait. Il a mis ce qu'ils font en avant et autres. Moi, je préfère que quand il sort, puisqu'il ne sort pas en semaine, il sort le week-end. Et que quand il sort le week-end, il nous sorte, il vient faire ses trucs et autres, qu'il ne rentre plus dans les... Non, mais le truc que tu oublies, Marc, les gens n'aiment pas. Vous étiez 3000. Là, Marie Fondia, je pourrais me mettre à la insulter ici correctement. Vous savez... Mais Ducamer, c'était normal. Mais voilà la réalité. Marie Fondia m'a insulté hier. Mais Ducamer, c'était normal parce que les gens attendaient le retour du grand frère. Parce que ce truc-là, il faut que les gens sachent que la visibilité, les gens refusent de la voir. Marie Fondia m'a traité de tous les noms, il m'a bien insulté. J'aurais pu ce matin être en train de lui rendre la monnaie de ses insultes avec son gars. Ils m'ont traité de pauvre, ils m'ont traité de misérable, ils ont eu des propos très violents à mon endroit hier dans leur direct. Et moi, ce que je leur ai dit, j'ai expliqué à Marie pourquoi est-ce qu'elle est mêlée à ça. Simplement, je peux jouer ce jeu. J'ai quoi? J'ai 200 ou c'est quoi des personnes. Je vais mêler tout ce qui comment l'insulter. Il y a de quoi l'insulter parce que ce qu'elle fait, mis de rien, c'est quand même enfantin. Tu vois, mais ça m'apportera quoi? Ça m'apportera quoi de faire ça? Je l'ai fait avant lui, tu m'as dit, je ne le veux plus. Parce que comme elle a dit que... Oui, mais tu peux aussi dire qu'il ne pouvait pas répondre, laissez. Moi, je ne parle pas au nom des gens, hein. Je ne parle pas, je ne suis pas le représentant de quelqu'un. J'ai accompagné mes sœurs dans ce truc, j'ai vu qu'ils ne s'arrêtent pas, ils vont continuer. Et moi, je reste tranquille, tu vois. Voilà. On a été là aussi, et à la fin, pour que ça ne puisse plus continuer. Compression ne veut pas arrêter, lui ne veut pas arrêter, Amek, Amek et tous, ils ne veulent pas arrêter. Et ben moi, ça m'a fatigué, ça. Ça m'a fatigué. Après tout, on est des êtres humains, on a compris que Compression, c'est quelqu'un qui, pour rien au monde, je ne l'ai jamais vu initier la paix avec quelqu'un, je ne l'ai jamais vu dans l'apaisement, elle a toujours été comme ça. Mais est-ce que Compression va entraîner mes sangs dans ce guerre? Libre à lui de comprendre. Parce que moi, j'ai des gens qui me clashent, moi je ne les réponds pas. Il n'arrive pas à m'entraîner. Lolo, par exemple, n'a jamais été entraîné par Nicole dans la boue là. Si Lolo répondait à Nicole, c'est que Lolo est dans cette boue du ping-pong. Et pourtant, Lolo avait tout pour finir. Lolo avec avait tout pour finir Nicole. Avec, mais Lolo n'a pas fini. Donc, honnêtement, il y a des gens, il faut refuser que ces gens t'entraînent dans la bassesse. Un comme Amek Amen, on a fini Amek Amen. Comment hein? On a fini avec Amek Amen, on a décrété, on a monté sa sale vie. Il a oublié de faire les directs. Et comme toujours, il y a toujours beaucoup de personnes qui regardent ça. Parce que
les followers de la haine sont là pour encourager les gens dans ça. Mais du coup, est-ce que tu sais que les personnes même que vous avez défendues, que machin, contre Amer Kamer, ce sont les personnes même qui sont dans ces lives, hein, oui, en train de mettre les cœurs. Mais les gens mettent les cœurs, les gens aiment ça. Donc nous, on va prendre la place de dernier de la classe sur la toile parce qu'on refuse. Moi, je refuse, je veux pas. Moi, j'ai l'occasion de laver les gens. J'ai une sale bouche, je vous mens pas, de malade. J'ai une sale gueule. Moi-même, j'ai appris ça même à l'école, à Coche. Mais ça m'a sali. Moi, j'ai mes enfants qui grandissent. Je n'ai plus envie. Comme la dame l'a dit, que je suis dans les restaurants, je veux m'asseoir dans les restaurants, que je sois respecté, comme c'est le cas maintenant. Il y a beaucoup de gens qui me respectent. Donc, être là, et les gens me donnent beaucoup d'amour en public quand je sors. Et c'est aussi pas... Ah, peut-être quand tu seras avec eux, avec Baba Fondia, qu'elle va venir te boxer, mais tout seul, elle va venir te boxer. Non, mais même... est-ce que moi, j'ai pas peur de ça. Depuis que je suis à Paris, même la basse, ils ont dit tout ça. Est-ce que c'est déjà arrivé que les gens me rencontrent? La bande à Calibri m'ont rencontré à Châtelet. Ils étaient quatre et tout ça. Ils se sont agités, ils ont même filmé. Ça allait où? Ce n'est pas la première fois. Des fois, Lolo, je dis, je suis peut-être en paix avec elle, mais elle aussi, elle est venue une fois. Elle est venue aussi devant moi. Tout ça, dans le noir, il y a eu ça. Donc, c'est quelque chose que je connais. Hein. Voilà, c'est quelque chose que moi, je connais. Mais comme on est dans... Moi, je préfère suivre la voie. Non, mais il faut pas. Tu sais, après ce qui est arrivé à l'influenceuse nigériane, là, Cora, il ne faut pas que les gens se lèvent et puis commencent à menacer les gens. Ce n'est pas bon. Me protège parce qu'elle m'a fait des menaces de mort. Mais oui. Et moi, je suis allé dire à la police qu'il y a quelqu'un qui me fait des menaces parce que. Mais oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Franchement. Parce que si quelque chose t'arrive demain, tu ne sauras pas d'où ça vient. J'ai donné mon avis sur les comportements de la personne sur Internet, qui a une page publique, et la personne a promis d'écouter avec ma vie, donc je préfère le signaler. Donc, et ça me protège, parce que quoi qu'il m'arrive en ce moment, c'est elle qui est responsable. Il ne faut pas faire des avertissements aux gens. C'est très, très dangereux de faire ça. C'est une erreur grave. Voilà. Donc, quand tu te mets sur Internet, tu es faux. Non, on est dans un pays où si tu ouvres une page publique... Parce qu'elle a, ta page, comment elle peut se permettre d'abord d'avertir un blogueur? Tu avertis un blogueur comment? Voilà. Il faut restreindre. Tu viens, tu fais des menaces. Là où elle m'a protégé, voilà, il dit là, quoi qui m'arrive, c'est elle. Et elle répondra avec Fondia, les deux. Quand vous ne voulez pas qu'on parle de vous, tu restreins ta page aux amis. Il faut restreindre tes sorties. Mais il faut contrôler tes sorties. Il faut contrôler tes sorties. Déjà, quand tu es quand les gens prennent mes photos, moi, mes frères, ils m'ont encore sur ma page. Je prends encore mes mains sur ma page. Mais je n'irai jamais menacer de mort ou quoi. Je m'en fous de tout ça. La loi dit que si quelqu'un publie ses photos sur une page publique, tu peux publier, ça ne va rien. C'est pourquoi les plaintes ne sont jamais allées nulle part. Les histoires que tu as publiées, mon machin. Le live, quand tu fais un live qui est public, les gens peuvent le partager. Puisque les gens doivent même le partager, il faut connaître le droit à l'image. Voilà. Mais si quelqu'un utilise ta photo en photo de profil, comme cette bande utilise ma photo. La loi, est-ce que c'est normal? La photo aussi, elle est publique. Si tu as publié sur ta page, les gens peuvent publier. Hein. On ne fait rien. Anango. Mais non, je n'ai pas publié. Mais ils ont fait une capture d'écran d'un direct. De toute façon, si tu viens publier une photo, après, il y a les cas de ce qu'on peut faire avec la photo, les cas, il y a des trucs qu'on peut faire et que tu peux te plaindre. Mais si quelqu'un n'a pas fait ces choses-là, bah, tu pleures pas. Matt, de toutes les façons, quand tu te retrouves sur Facebook, tu vas t'attendre à tout. Hein, parce ça, qu'on va, on va beau dire, mais Facebook est risqué. Quand tu mets dans tes pages, tu vas t'attendre beaucoup. Hein. Donc, il faut que les gens retiennent. Mais eux, ils pensaient que j'allais m'asseoir là et pleurer. J'ai pris encore leur page, là, j'ai retrouvé les directs où tu faisais les directs, tu faisais la découverte. Moi, j'ai vu ça. Parce que ça, les souvenirs des lives revenaient, j'ai vu. Tu as beaucoup fait des lives sur mes pages avec ton visage. C'est pour ceux qui cherchent ton image, bien qu'on soit bon. C'est une parenthèse. Moi, je veux qu'on retienne que cette guerre, je vais donner vraiment mon avis. On va le faire à tour de rôle. L'affaire de Messan et Compressor, j'en arrive à la conclusion que ça va se poursuivre et avec Gluta et que voilà, parce que moi par exemple, si Messan allait vraiment m'écouter, j'allais dire qu'il laisse tomber ça.
Parce que la fille, elle veut l'entraîner, elle veut exister. Compression n'existe pas, la haine. Et elle n'arrêtera pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. On a vu ici, on a vu Nicole Kitchia ici, que sa maman est sur Internet, elle n'a rien à foutre. Est-ce que ça a arrêté, Nicole? Et je vais vous dire, la force d'un clash, c'est de faire que l'adversaire ne clash plus. Gagner un clash, c'est fait que tu touches quelqu'un, il ne parle plus. On en a gagné ici, là. Voilà, on en a gagné. On a vu celle qui était à Londres, là, quand on l'avait touchée ici, là, elle n'a plus jamais clashé. Mais si tu n'as un clash avec quelqu'un qui ne s'arrête pas, il continue. Il ne faut pas dire que la personne a gagné un clash. Non, ils sont dans une histoire qui les arrange. Je préfère encore qu'on fasse des analyses. Quand on soit dans les directs, on soit là parce qu'on a pu s'entendre. Tu vois, même à ce gars d'enfant, moi, je n'ai pas de haine avec lui. C'est lui qui veut vivre. Donc, regarde, c'est des gens qui vivent que par la haine. Tu comprends? Ils ont besoin de ça. Quelqu'un à qui tu présentes même des excuses, il t'accuse que sur un truc, tu dis, mon frère, excuse-moi. Excuse la maladresse, excuse ça. Et il continue. Tu comprends qu'il y a des gens sur Internet, tu ne peux pas les stopper. Donc, au mieux, tu les laisses vivre dans leur truc. Donc, compresseur. Quand vous l'avez vu dans les attaques avec Flo, tu as compris que cette gars-ci, elle ne peut même pas comprendre l'intérêt d'une amitié. Même être intéressée, elle n'est même pas forte. Parce qu'à être avec Flo, elle avait vraiment plus de elle était plus, plus à l'aise sur tous les plans. Flo ne lui a jamais interdit. Flo n'est pas jalouse qu'elle soit amie d'Amélie ou quoi que ce soit. Mais elle a préféré capoter. Elle s'est laissée manipuler. Aujourd'hui, elle a un groupuscule de haineux qui la suivent et ça la mène où? Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Flo, ici, là... C'est son reconstitué. Le groupuscule, là, s'est reconstitué parce que avec Flo, même quand les gens avaient du mal à dire que oh, c'était une réconciliation de pacotille, mais on voyait quand même un peu de joie en elle. On voyait, oui, elle avait un peu de joie en elle. Le visage était clair. Oui, le visage était propre. Amélie doit donner à compresseur peut-être 200 euros parce qu'elle ne peut pas supporter ça longtemps. Les abeilles de Flore, on dirait que même dans le Mac Alcuma, il n'y en a pas. Les abeilles de Flore, là, quand ils veulent te donner, la paix pour elle était plus rentable. Parce qu'elle pouvait avoir les Lolomania, elle pouvait avoir tout le monde. Puisque c'est elle qui est le plus. Seulement, ces gens ne donnent pas. Parce que les. Mais du quand même. Attends un peu, je vais finir cette analyse. La team qui ne donne rien aux gens, c'est le TKC. C'est la team consommatrice. Donc, elle, maintenant, la paix l'arrangeait. Parce que même la paix, c'est aussi dans les calculs. C'était mieux qu'elle soit en paix. Flo lui a tendu la main, ma soeur, mettons-nous ensemble. C'était à elle de dire, Nadej, papa, tu es ma soeur, oublions. Mais cette fille-là, les mots que son grand frère a dit sur elle, c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est tellement... je préfère fuir. Tu ne peux pas... On t'a dit que la paix est mieux, tu vois l'intérêt de la paix, mais tu es toujours dans la guerre. Inutile, parce que tu veux montrer que tu es trop forte. Là où il faut montrer que tu es trop forte, écrit, au lit, ça te dépasse. Trouver un travail, ça te dépasse. Mais tu veux monter dans la haine, ça ne profite pas. Et ce sont ces gens qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand on a Dieu, on est tolérant. Quand on a Dieu, on pardonne. Quand on a Dieu, on aime. On aime son prochain. C'est ça, aimer Dieu. Quand on a Dieu, on n'est pas revanchard. Quand on a Dieu, puisque c'est lui qui est tout le temps malade, c'est elle qui devait être dans l'amour des gens. C'est elle qui devait aimer les gens parce qu'elle est tout le temps maladive. Dieu, merci pour la santé. Et tu viens, tu partages l'amour avec les gens. Ben non. Donc, heureusement qu'elle ne me prononce même plus parce qu'elle a vu que vraiment... C'est-à-dire que moi, elle ne va pas m'entraîner dans ce truc. Quand j'ai à lui dire, comme je lui dis, je lui passe le message, elle sait que ça la framponne. Oui, elle ne peut pas dire que ce que je dis là. Elle avait plus d'intérêt à être bien avec Flore, puisque elle est dans, soi-disant, dans l'humanité, elle gratte l'argent. Elle pouvait gratter sur Flore, chez Nadège, chez tout le monde. C'est ça qui allait faire qu'on dise que voilà une femme. Mais quand tu es là, son grand-fils lui a dit, ça y est, elle fait la guerre à tout le monde. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec tout le monde. Et toi, tu es la sainte. Donc, je ne l'ai jamais vu commencer même la paix. Le truc avec Babalé, c'est même Babalé qui a même initié ça. Tu penses que c'est elle qui allait dire Babalé, faisons la paix. Frère, si moi je veux aller dans la haine, si moi je veux dire les mots du Alangala, juste ça va dépasser pour son grand frère. Hein. Moi, je te dis, je me retiens parce que la conscience me parle. Si moi je vais dire ce que je pense, tu comprends, laisse tomber son grand frère, il est pas allé loin. Parce que comment tu peux être une femme avec autant de haine? Elle ne vit que de ça. Et il y a des gens qui trouvent ça normal. On lui souhaite même d'être heureux, on lui souhaite de se reconcilier, on lui souhaite de tout ce qui est positif. Elle-même, elle refuse ça. Les problèmes avec naissance sortent d'où? Quel est l'intérêt qu'elle a à venir avoir les problèmes avec un homme qui a été un donateur, un homme qui a été un consolateur, un homme qui a été à son chevet chaque fois qu'elle était malade? Comment tu peux venir t'attaquer à quelqu'un que tu as été malade, il a été là pour te consoler?
Tu as été dans c'est l'entourage. Donné deux stylos, tu m'as dit que c'était petit, mais c'est incroyable. Mais tu penses que ton entourage, frère, ton entourage. J'ai pas les IB aussi, c'est fatigant. Parfois, on se parle en public. Grand frère, tu as parlé comme ça là. Elle n'arrêtera pas, ça ne sert à rien de revenir. Merci. Aïe, aïe. Du coup, mais en fait, tout ce qu'on voit sur Facebook, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Tout se passe sur WhatsApp. Parce que quand tu appelles sur WhatsApp, on te promet 50 euros, 100 euros. Ça te donne encore la force de venir clasher sur n'importe quoi. Donc, on va body. C'est l'entourage. On l'appelle, on dit non. Donc, ta sortie était légitime, et tu as bien parlé. Demain, je vais t'envoyer un PCS, mais elle est contente, ça la motive. C'est ça. Donc, c'est ça. Et je prends seulement l'exemple du direct de la jeune femme de l'Italie, là, que vous étiez en train de décortiquer il y a 2 ou 3 jours. Vous avez vu la femme qui est montée là, qui parlait. Est-ce qu'une maman comme ça, là, quand tu vois une jeune sœur, parce que c'était sa fille, elle monte dans le direct. Au lieu de demander à la petite que maman, éteins ton téléphone, hein, calme-toi, fais un effort de régler le problème de la matière, ou tu lui trouves un autre endroit, et tout. Et vous avez écouté les paroles de cette femme-là, la maman-là qui est montée dans le direct, qui est venue parler. C'est les mêmes gens qui avaient parlé une fois quand on a dit que sa maman est sortie. Elles sont venues sortir une autre maman. Et elles ont commencé à promettre des plaintes à gauche, à droite. Au lieu de calmer les choses, elles viennent mettre le feu. C'est l'entourage. Quand Fleur de Lille a fait la réconciliation avec Compressor, il y a beaucoup de membres de Compressor qui n'étaient pas d'accord de cette réconciliation. Et pourtant, chez Fleur, il y a quelques réfractaires, mais qui partaient quand même, les abeilles partaient quand même, malgré ça, les abeilles partaient quand même en disant que c'est notre tante. Les abeilles étaient là-bas en disant que c'est notre tante. Il y avait quelques, mais je dis chez elles, presque la majorité n'était pas là, n'était pas d'accord avec cette paix. Beaucoup étaient papillés. Beaucoup, ils sont restés dans le noir. Et quand ils ont commencé à, les titillements ont commencé, chacun a commencé à se Si tu les vois là, c'est eux qui ont plusieurs pages là maintenant. Je ne vais pas donner le nom, ils sont là. Mais ils étaient dans le noir contre Flore. Ils ne voulaient plus, ils avaient quitté les compressions. Tu les entends, ils disent toujours, ils disaient, les compressions n'écoutent pas les conseils. Les compressions n'écoutent pas les conseils. C'est eux qui sont là-bas aujourd'hui, oui. Matt, en fait, peu importe ce qu'on va dire, tout le monde ne peut pas être d'accord de la paix. D'ailleurs, la paix de Lolo et Flore, tous les followers ne peuvent pas être d'accord, mais beaucoup préfèrent être dans le silence que de venir le montrer à Mondo Vision, tu vois. Et c'est plutôt mieux. Mais Compressor n'a pas profité des avantages que Flore l'a apporté. Parce que s'il faut bien, il faut être honnête, elle n'a rien apporté comme avantage à Flore. Au contraire, pour éteindre l'image de Flore, avec cette fausse sortie qu'elle faisait, pourtant Flore la prenait vraiment comme une amie. Je peux le dire, je peux me permettre, parce que oui. Vu les réactions de Flore... Même quand il y a eu plusieurs maladresses, elle a toujours dit qu'elle n'a aucun problème avec sa cour. Voilà. Elle était toujours là. Voilà. Elle naguait les autres personnes. Elle naguait même des gens par rapport à ça. Oui. Moi, je pense que elle faisait les sorties juste parce que à chaque fois, on disait que non, elle n'a plus les teams, elle n'a plus la TK, c'est parti, Flore l'a avalé. Mais tu t'en fous, tu avances. Il n'y a que toi qui sais que tu as une team ou pas. Tu sais que tu as ta team. Tu restes le leader de ta team. Ce ne sont pas les faux profits qui ont été déstabilisés. Mais tu as cru à ça et plus, tu as laissé ton amitié comme ça là. On comprend une fois de plus qu'on peut t'acheter avec 50 euros. C'est très facile, il était sous l'oeil. Donc tu ne peux que t'en vouloir à toi-même. Si tu vas passer le temps à insulter la femme, mais en croyant que sa femme va mettre la caméra et je te réponds, non, c'est que tu te tiens dans le pied. Je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui qu'elle va répondre. Oui, oui, mais comme elle ne veut rien comprendre et tout ce qu'elle sort et tout ses sorties ont. On sait que c'est la même chose, ça n'a jamais changé. Tes enfants, les mamans. Oui, c'est pourquoi on m'a dit on va conseiller au grand frère de ne même plus. On va conseiller au grand frère de laisser tomber. De laisser tomber. Parce que ça ne vaut pas la peine.
Ça ne vaut pas la peine. Si tu veux laver ton image, ce n'est pas vrai, ça. Ça ne vaut pas la peine. Tu as mis ce qu'il fallait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a écoutées. Mais grand frère, il faut laisser. Mais il faut accompagner ce que vous dites, Matt. Lui-même, à la fin de son direct, a dit il n'est pas lié aux personnes qui insultent les femmes et les enfants. Mais lui, il n'y a pas de cela. Une heure de temps, il a fait la même chose. Il ne s'est pas attaqué aux enfants, mais il s'est attaqué à une femme. Et violemment. Et ça, non, il a dit qu'il n'est pas une personne qui s'attaque aux mamans. Non, oui, mais Matt, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Du moment où tu descends en bas de la ceinture avec une femme, tu t'es attaqué à une maman, je peux le dire comme ça. Moi, je ne soutiens pas cela, mais s'il demande qu'on fasse quelque chose qui soit dans l'exemple de cette chose-là. Parce que quand il parlait de ça, il parlait au Dukame, au Nadej Mbapa, au Rev Ndiaye, aux membres de sa team, en quelque sorte. Donc, j'aimerais qu'il fasse mieux que ça. Voilà. Donc, j'espère qu'il a réglé, un peu ses comptes. On espère qu'il ne fera plus de sortir aussi musclé. Parce que j'ai toujours dit ici, là, que c'est un grumier. Personne ne le peut. Les gens qui bavardent dans le noir, là, toutes les femmes qui jacassent, là, s'ils placent sa caméra pour parler à ces femmes-là, elles vont s'éteindre sur la toile. Et moi, je sais ça. C'est pourquoi je dis toujours que vous l'insultez tous les jours. Vous insultez le monsieur tous les jours. Le souci, c'est que on a tendance à dire que monsieur Messan est violent, monsieur Messan est ceci. Mais sauf qu'on ne voit pas la violence que les autres utilisent envers lui. C'est pas parce que c'est un homme ou parce que c'est un aîné que les gens ont le droit de venir lui dire tout et n'importe quoi. Vous savez, monsieur, mais ça n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il y a quelques années, il était quelqu'un, tout le monde sur la toile. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Tu sais, quand tu t'entoures de certaines personnes, et je pense que ces personnes te contaminent leur mauvais son. Il n'était pas comme ça. Moi, je dormais sur les pages parce que je suivais la star tout le temps, mais les prières, les autour, les recettes, on était là. Chacun donne un peu quelque chose. Matt, hein? Une seconde. Oui. Regardons un peu ça, là, le Congo, ça, et ça. Ouais, j'ai suivi ça hier nuit. T'as issu. Pas quoi, mais. Et ça conclut. C'est violent. C'est gâté entre eux, les Kwandingues. Il y a des gens qui écrivaient là-bas que c'était un chat arrangé. Avec Amon aussi, il joue le guignol. Solange a demandé à Paul-Kam d'arrêter de jouer ma musique. Et qu'est-ce que j'ai fait? Plus son musique, Paul-Kam n'a pas arrêté, c'était pour montrer qu'il a la personnalité. C'était pas moi. Non, c'était pas ça. Mais vous avez avec Solange pour les trucs. Mais quand il est parti, c'est à Solange, arrête de t'assurer. Il a fait un problème. Vous comprenez? Est-ce qu'il a besoin de monter, qu'il a de la personnalité? La preuve, en fait, c'est tout. Regarde, je ne sais pas pourquoi. Parce que s'il est parti, dis à Solange d'arrêter de m'insulter. Oui, 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 il a dit en fait là. Il n'a pas de la personnalité.
Le gars, lui, une gars. Non, attends, c'est mon cas. J'aime quand tu viens. Oui, vous en faites un live sur TikTok. Sur TikTok, vous dites que vous supportez sur le panel avec vous. Et d'accord, on vous laisse. Oui. Mais nous, on est le premier à aller faire le live. Vas-y, allez, tu supportes. Vous reconnaissez, ça reste un peu long pour aussi qu'avant. Vous avez fou, là, vous avez fait un live. 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 Vous J'étais soutenu dans les problèmes et tout ça. J'étais soutenu dans les problèmes. Allez, tu veux soutenir. Maman. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui. Oui, je suis là. Tu vois comment. Allô? Quand tu as les problèmes, les gens viennent te soutenir. Là, il faut refuser ça. Voilà maintenant que. Oui, bon, mais tu sais que. Ça dépend de qui tu vas soutenir. Ça dépend de qui tu vas soutenir. Moi, j'ai écouté ça hier, c'était trop violent. Bon, certains disent que oh, peut-être c'est un clash arrangé. Je ne sais pas si c'est un clash arrangé. Mais si ce n'est pas un clash arrangé, je dirais que cette fille a un sérieux problème. C'est quelqu'un qui a placé sa caméra pour te défendre. Il se prend les insultes partout avec d'autres personnes à cause de toi, mais bon, elle est libre. Franchement, c'est entre eux là-bas. La personne qui m'amusait là-dedans, c'est Amé Kamer. C'est sa femme qui est en difficulté. Mais lui, il a été soutenu pour Kam. Il tape pour Kam. Amé Kamer, il y a pour Kam. Je ne peux pas venir parler de choses comme ça parce que c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Amé Kamer. Carrément, il a été soutenu. Il soutient. Sa copine est dans les problèmes, mais il en a soutenu Poakam. Il dit que non. Bon, moi aussi, je vais peut-être regarder de l'autre côté, que peut-être il est sincère en disant que machin, mais même quand ta copine est souvent dans le faux, tu acceptes d'abord de la soutenir envers l'autre personne. Mais bon, c'est entre eux, c'est eux qui savent ce qu'ils font là-bas, leurs conneries qu'ils font sur TikTok là. Tout le temps, elle doit être dans les engueulades, c'est pas. Moi, je comprends pas. Tout le temps, elle est dans les querelles. Tout le temps, elle est dans les querelles. Elle ne se querelle pas avec qui. Mais à quel moment donc elle va apprendre à chanter? Elle dit quand même, rentre dans le studio. Il y a quoi? Ouais, je vais faire. Nicole, que tu m'as bloqué. Pardon, je n'ai pas avec mon compte Soumsoum. Elle en dirait, vous voyez ce qu'elle dit. Elle en dirait. Ouais. Elle m'a bloqué. Même Jean, une personne qui n'écoute pas. Elle me fait du sale là-bas. Cette personne n'aime pas. Franchement, le produit que tu as proposé, ça se vend tellement bien. C'est qui ça? Envoyez-moi les stars. Envoyez-moi les cadeaux. Oh, mais là, les stars. Envoyez-moi les stars. Envoyez-moi les cadeaux. Elle est aussi Tito. Elle vous fait du sale, elle va se cacher sur Tito. Nicole Calista, c'est ta bonne donatrice. Hein. C'est une bonne donatrice à moi. C'est une bonne donatrice. Mais quand je fais elle n'a pas mis ses 5 euros aujourd'hui. Elle met le cas de Napoléon. Oui, tu souris. Quand on voit les trucs, tu souris. On ne dit pas les fleurs, on dit les roses. Avec les roses. Les roses. Oh, mais la beauté, ça se fout maintenant. Merci, l'ange de l'eau, pour la fête live. Ta beauté. Elle m'a bloqué. Merci, Valentia, pour les roses. Merci beaucoup pour les roses. Merci.
Salista, tu peux monter, non? On ne met pas les organes, on parle de couple. Il faut dire aussi le couple, la star est sans franchement, parce que moi, on me dit que cette femme a les organes. Si on mettait les organes, on ne serait pas allé le 9 décembre, si on avait mis les organes, non? Qui est venu à Napoléon? Elles sont pas venues à Napoléon. Donc, nous, on ne met pas les organes, les sympathisants, celles qui aiment bien. C'est une histoire de famille même. Attendez un peu, parlons aussi des produits de Stam. Pourquoi je me dis que c'est fermenté? Parce qu'elle a pris comme ingérie la belle soirée. Ici, on peut dire les noms. Ingérie. Regarde-moi des femmes bêtes comme ça. Et elles sont là dans le direct, elles ne lui disent pas hein, que c'est ingérie. Franchement, vous avez même expliqué un peu que ça. Moi, je sais pas être sympathisante des deux teams, mais après, je trouve que. Vous savez que la haine vend. La haine attire du monde. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de. Enfin, voilà, de l'autre côté, hein, c'est pas que... Ils n'ont pas mis sa poitrine dehors, j'ai été elle a protégé sa poitrine aujourd'hui. On va dire qu'elle suit les directs. Maman Perté, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai l'impression... Elle apprécie quoi, sur elle? Moi, je suis pareil. Donc, du coup... Voilà, ouais, comme, tu penses que même Judas n'avait pas les amis. Judas avait les amis. Je suis aussi dans le live où il y avait Cristaline et Sidine qui le confort. Je ne vais pas rester deux secondes de suis sortie. Voilà, c'est ça, il faut savoir. Qui t'avait appelé là-bas? On t'avait appelé là-bas. Cristaline, en tout cas, moi, j'étais un peu dans le live de Cristaline comme sur Nicole. Oui, Sally vous avait appelé dans son live. Et quand j'ai vu la tension, qu'elle a commencé à prendre la main, Sally les avait appelés dans son live. Donc, leur personne là prend les photos de les nudes de Pistaline et met sur la toile. Est-ce qu'elles sont d'accord avec ça? Mais ils ne sont pas d'accord avec la sortie du Ticamé et de Pistaline. Elle est femme méchante comme ça. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Que tu montes sur moi, que tu prennes des verres avec moi, que tu ailles danser avec moi en boîte. C'est valable pour tout le monde. Je suis ma priorité numéro 1. C'est moi. Ce n'est plus vous. Le temps où je mettais les autres avant moi, là, c'est terminé. C'est Dieu. J'étais dans mon coin, c'est qui m'a démonté en live. Non. Moi, je ne pouvais pas faire live. Vous étiez là. Non, je commence. Il paraît que. Vous étiez là. Pardon. C'est lui qui m'a démonté en live, non? Voilà, c'est ça. Ça commence. Ah! Yemali! C'est grave comme ça, là. Non, mais Afrique là. Qui s'est passé quoi? Non, comment? Qui s'est passé quoi? On commence. Qui me fiche le camp? C'est les Bangalas qui manquent ici. Vous êtes même normaux. Quand il est souvent là et que le classe pendant qu'il est là, c'est quoi alors qui me manque? Amère vient de dire que c'est bon camp, que tu peux parler. Qu'est-ce que tu en fous? Amère reste où il veut. Amère c'est mon chien. Il a dit qu'il m'invite. Il veut parler dans le camp. C'est important. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que j'en ai assuré? Amère, ça m'enlève quoi? Ça m'enlève quoi? Je laisse toi être bon vent. Qui laisse lui faire ce qu'il veut? Moi, quoi là? Je laisse toi être bon vent. Qui n'a pas fait ça? Maman, j'ai descendu. On me dit de descendre. Waouh, mais c'est pas. Papa, on a. Voilà, c'est ça. Et toi-même là. Allô? Tous les jours, elle me sent ça, elle insulte.
tu as donné, il a dit que c'est la reine, c'est ma mère, c'est mon ceci, qui se préserve. Ok? Il n'a jamais fait mes problèmes. Jamais. Par contre, chaque fois que j'ai eu un souci avec ses amis, il a pris leur défense en premier et publiquement. Quand il y avait maman Abena qui partait faire ses conneries qu'elle faisait avec Amé Kamé là-bas, il a pris le parti de celle-là, publiquement dans son live. Je pense que vous vous en rappelez. Il n'a encore rien dit. Il a repris son parti sans savoir ce qui s'était passé. Maman. Il a repris son parti. Enjoy. Je suis tranquille, ce sont ses amis. Oulou, ce sont ses amis avant moi. Moi, je fais mon pouvoir. Quand il fait mes problèmes, ce n'est pas pour que quelqu'un prenne mon parti, quelqu'un me dépasse. Je m'en tamponne. À partir du moment où je sais que j'ai raison. Le Massa. Monde entier. On me dit de descendre encore. Massa. Ah ouais, c'est là. Amé Kamé prend le fond des programmes. Est-ce que c'est là? Maman. Maman, je regarde. C'est grave. Ça pue. Voilà. On va regarder tout ça et puis il va être là. Mais Africa, pourquoi tu prends la photo de mes un grand monsieur, tu mets comme ça dans mon frère? Les gens, parfois, les gens ont les enfants. Hein. C'est quoi ça? Oh, voilà. Voilà, c'est là. Moi, je coupe les vidéos, mais il y a les vidéos que je ne peux même pas couper, franchement. Attention que demain, il ne faut pas te plaindre. Attention que tu vas voir. Voilà. Je n'ai rien à te dire. Pourquoi vous aimez me mettre dans des positions inconfortables? Tu sais déjà que je ne suis pas assez bien en ce moment. Pourquoi vous aimez ça? Oh la pauvre. C'est vrai que moi, je suis trop bien en ce moment, hein. Moi, je suis trop bien en ce moment. Ça fait des mois, je suis trop bien. On me fait des fleurs sur les réseaux sociaux à moi. Bien sûr. On me fait des fleurs à moi. Le clash rend fou. N'utilise pas ça. Ça va pas marcher à moi. Elle pète un câble déjà. Hein. Ça la rend folle. Putain. Voilà, parce que maman ne me fait pas des fleurs. Seigneur. Tu veux quoi? J'ai oublié les commentaires. Qu'est-ce que tu veux? Et je n'étais pas mise dans une situation. C'est la personne qui ne respecte pas ton partenaire. Mais je suis confusé. Je ne peux que parler. Je ne sais pas comment je l'ai vu. Je ne sais pas. Tu veux me dire Brioche? Moi, je m'entends Brioche. Mais là, toi, tu as le qui? Je fais comment? Tu vas me mettre sur mon dos. Je mets Brioche. Je t'ai même encore dit non. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu me mets les patates et les macabres. Toi, tu es ma soeur. Vous aimez tous mes mecs dans les positions. Hein? Et pour Camille. C'est la même chose que l'autre a commencé ici l'autre jour ici. Toujours dans mon live ici. Brioche, non. Brioche, moi, j'aime pas ça. Brioche. Brioche, arrête ça. Arrête, s'il te plaît. Arrête ça, Brioche. Pardon. Pardon. Il s'est dit que maman est bloquée. C'est pas mon live. Attends, je vais bloquer le mot. Je vais bloquer le mot là. Ok. Crabe poilu à vie page. Elles peuvent se le permettre. Mais quand il faut vraiment travailler là, quand il faut être là pour lui, elles sont pas là. Wow. Chacun vient chercher la visibilité quand elles peuvent. Tu montes un peu. Attends, demain, il ne faut pas te plaindre. Attends, tu veux qu'elle va se voir. Voilà. Tu n'as rien à te dire. C'est le même pourquoi vous avez même mis dans les positions inconfortables, Oshika? Tu fais déjà. Ça, j'ai suivi. Attends, demain, il ne faut pas te plaindre. Attends, tu veux qu'elle va se voir. Voilà. Tu n'as rien à te dire. Pourquoi vous avez même mis dans les positions inconfortables, Oshika? Tu sais déjà que je ne suis pas assez bien en ce moment. Pourquoi vous avez mis ça? Oh la pauvre. C'est vrai que moi, je suis trop bien en ce moment, hein. Moi, je suis trop bien en ce moment. Hey. Moi, je suis trop bien. On me fait des fleurs. C'est bon, je t'en sentis chez toi. Moi, il n'y a plus moi la force de tout ça. Bien sûr, on me fait des fleurs. Vous dans les mains. Ça va pas marcher, moi. Les mains. Comment on me fait pas des fleurs? Tu veux quoi? J'ai oublié les commentaires. Qu'est-ce que tu veux? Et je n'étais pas mise dans une situation. C'est la personne qui ne respecte pas ton palais. Ah, ça, j'ai suivi ça à 4 heures. C'est encore le même délire. Hein? Ouais, demain. Faut pas te plaindre. Mon frère, pourquoi ça me sort toujours ça? Moi, il veut aller loin. Voilà, là. 3 heures, ok. Le monde, je sais que j'ai raison. Le monde entier peut être contre moi. J'en ai rien à cirer. Mais pas toi. Quand j'entends mes problèmes, je ne peux pas savoir que le monde me donne raison. J'en ai rien à foutre. Quand il fait mes problèmes, je ne compte même pas sur ma mère. La preuve, quand j'ai voulu insulter sa reine connerie, je ne lui ai pas demandé son avis. Et je ne vais jamais demander son avis. Quand je fais mes problèmes, je fais mes problèmes. Je ne demande à personne. Je ne demande à personne. Donc, je n'attends pas pour me défendre. Elle dit reine quoi, reine connerie. Ce n'est pas chez toi. Si j'entre chez toi, tes invités viennent m'insulter. Tu me dis que fais comme si tu ne vois pas. Parce que tu as peur de dire à ton autre invité que arrête.
Par respect pour moi, respecte mes invités qui sont là. Donc c'est moi qui dois être. On sait ce qu'on fait. Et laisser l'invité me maltraiter. C'est pas facile. Merci, Valange. Merci, s'il vous plaît. Une épaule qui est malade hein, à mon jeune âge. Mais... Voilà, Caliste. Oui, Caliste, oui. Moi, j'ai le dos. Hein. Moi, maman, pardon. Du cas, je vais te laisser. Ok, vas-y, moi, je regarde juste ça. Après, je vais arrêter. Ouais, bon dimanche. Ouais. Je regarde juste ça. Maman. Là, je comprends rien. Bon. Ok, volume. Allô? Tous les jours, elle me s'en met ça, insulte. Flo de Lille, qu'est-ce que c'est la reine, c'est ma mère, c'est mon ceci, il se préserve, ok? Il n'a jamais assez de problèmes, jamais. Par contre, chaque fois que j'ai eu un souci avec ses amis, il a pris leur défense en premier et publiquement. Quand il y avait un moment à Bénin qui partait faire ses conneries qu'elle faisait avec Amel là-bas, il a pris le parti de celle-là, publiquement dans son live, je pense que vous vous en rappelez. Il avait pris son parti sans savoir ce qui s'était passé. Il avait pris son parti. Tu as dit tranquille, ce sont ses amis. Ce sont ses amis avant moi. Moi, je sais mon pouvoir. Quand il fait mes problèmes, ce n'est pas pour que quelqu'un prenne mon parti ou quelqu'un me défend. Je m'en tamponne. À partir du moment où je sais que j'ai raison, le monde d'amitié peut être contre moi. J'en ai rien à faire. Africa Update Japan. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que quand tu fais tes montages vidéo, tu prends les images des gens, tu utilises ça. Parce que quand tu prends l'image de Flo, tu mets là-bas. Flo n'a rien à voir dans ça. Tu vois. Tu ne peux pas associer son image avec un tel clash. Je trouve ça très maladroit de ta part. Les gens font les claps. Prends les images n'importe. Si tu prends l'image de Flo, tu mélanges à ça là. Je trouve ça hyper méprisant. C'est comme ça que les gens signent vos pages. Signent vos pages. Qu'est-ce que Flo a fait là-dedans? Mais là où tu as pris Messa, les gens ont leurs problèmes. Tu prends l'image d'une blogueuse. Tu veux mélanger. Elle là, elle fait la publicité de beaucoup de sociétés. Tu ne peux pas prendre son image, tu viens associer aux injures comme ça alors qu'elle ne suit plus. Hein? Les sociétés qui la contractent pour travailler avec quelqu'un, ils vont voir ça. Tu ne penses pas que ça peut lui faire perdre des contrats? Donc je trouve ça, essaie de corriger ça. Voilà. Fais tes montages vidéo, tu prends je sais pas, des images de n'importe quoi, mais prendre l'image de quelqu'un qui n'a rien à voir, tu prends, tu mets là-bas. Moi, si tu fais ça à mon image, moi, il te signale, direct. La position de Flo là maintenant, est-ce qu'elle a besoin de ça, d'être associée à ça? Elle n'a rien à voir dans ça. Quand j'entends mes problèmes, je ne peux pas savoir que le monde me donne raison. J'en ai rien à foutre. Quand il fait mes problèmes, je ne compte même pas sur Amel Kamel. La preuve, quand j'ai voulu insulter sa reine connerie, je ne lui ai pas demandé son avis. Et je ne vais jamais demander son avis. Quand je fais mes problèmes, je fais mes problèmes. Je ne demande à personne. Je ne demande à personne. Donc je n'attends pas qu'on me défende. Mais ce n'est pas chez toi. Si j'entre chez toi, invité vient m'insulter. Tu me dis que fais comme si tu ne vois pas. Parce que tu as peur de dire à toi. Arrête. Par respect pour moi. La place, c'est qu'on a invité qui sont là. Oui. N'est pas mon. Maman n'a pas reçu. N'est pas reçu les plaintes. Sur la page, la rêveuse. Je suis allée sur la page. Parce que ce qu'elle parle, on va bloquer. N'est pas mal reçu les plaintes. C'est le buzz. Elle fait son buzz, non? N'est pas reçu les plaintes. Ils ont dit que ma mère doit être gratuite. Comment que je peux le. Et vous venez lui donner la plainte. Elle a mis moi d'imprimer un peu. Maman, c'est une plainte. Oui, moi j'ai vraiment une plainte au nom de sa maman. Ah, d'accord. Bon, si Nicole est pas au courant, ça veut dire que c'est une plainte fabriquée alors. Mais fabriquée comment? La plainte d'adresse. La plainte est la question. Il y a les conseillers de Facebook. Attends un peu, ma Nicole, je l'écoute. Caris, tu as dit la. La plainte date du 4 avril, en fait. Oh, mais tu sais, quand on voit qu'on paye, on fait les antidatés, non? C'est pas un problème. Mais si elle dit qu'elle n'a pas reçu, ça veut dire que ça n'existe pas. On fait les mais comment ça n'existe pas? Et on s'y raconte quoi? Quand donne le nom de la personne qui a porté plainte à ma mère, on me donne le nom du commissariat. Fais-la sortir. Hein. Tu ne sais pas muter les commentaires. Hein? Regardez-moi les gens qui encouragent. Eux, vraiment, les dieux. Appuie sur mon profil. Ouais, les gens qui veulent encourager. Appuie comme ça, ma peau. Oui, tu vas voir, ça te donne les indications.
Ça n'a plus son. Maman, Marco, attends un peu. Bon, arrête, ne dis pas que tu as dit quoi de mal. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Regarde, nous, on parle sans insulte. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des enfants. Tu sors là-bas, avec sa haine. Tu peux écouter Marco. Marco, c'est sa mère. Tu as dit, même changé de fille. On parlait même déjà de métier. C'est quoi ça? Marco, tu as fait. Marco n'est pas sa mère. Arrêtez ça très vite. Ou mettre, bloquer les commentaires et tu mets comme quoi? Moto. Que je veux. Avec mon âme, quand tu veux. Je fais ce que je veux. C'est mon problème. Donc, foutez-moi le camp, Carnet a dit qu'il a dit quoi? C'est aujourd'hui qu'il invite. Il va qu'il invite depuis. Qui quitte même là-bas? Quand il vient, il n'est pas dormi chez mon camp. Ça me fait quoi? Si tu mets encore un mauvais commentaire, enfin un commentaire bizarre, moi je vais te mettre. Oshika, je voulais te dire que tu sais, les gens qui viennent sur les réseaux sociaux, selon ce dont j'ai observé, qui se rapprochent de toi, qui cherchent la visibilité, à la longue, ne seront pas loyaux. Il n'y a pas la loyauté. Foutez-moi le camp avec ça. Je ne vous ai pas demandé ce qu'Anne a dit. Il n'a pas dit ce qu'il veut là-bas. Gros, le camp me dérange. N'importe quoi. Allez l'écouter se vanter là-bas avec sa pine, avec sa queue de soi, disant c'est comme ça. Non, mais Alice, le camp dérange quoi? Que lui-même, il a quitté Paris quand? Il est parti quand? Il est parti où c'est hier? Dans le camp. Bon, oui. Elles ne sont pas là. Chacune vient chercher la visibilité quand elles peuvent. L'autre qui a joué pour toi l'autre jour là, elle a joué parce qu'elle veut que tu passes un match avec elle pour sa page. Moi, celle qui a joué pour toi. Oui, quoi? C'est parce qu'elle a joué pour toi. Gassa, il a joué, Yannine. C'est où? C'est pas fait comme ça. Il y a un moment donné que c'est où? Elle ne t'a rien dit. C'est parce qu'elle m'a ils ont fait tout et tout pour t'atteindre, non? Elles n'ont pas pu. Maintenant, il faut attaquer ta mère. Là, ça, moi, ils ne connaissent pas moi, ce qu'on dit. On a même tout barré. On ne donne même pas le nom du commissariat. C'est où, comme ça? Mais le nom de la... C'est où? C'est un petit gâté, maman. Le nom du commissariat, c'est où, maman? On dit la paix, il dit de quoi? Pardon, vraiment, les gens. Prenez ça, on ne parle pas. Parlons de ça. Si ce n'est pas, tu vois, on pourrait pas les donner encore. Franchement, j'aime pas les trucs comme ça. Franchement. Mon ami aime plein comme sa mère. Les autres sont des enfants. Calista me connaît. Je ne suis pas une enfant. Ni tu as bien fait d'enlever ta mère là-bas. Je dis que quand tu as parlé le jour là, j'ai coulé les larmes. Parce qu'une maman ne s'achète jamais. On peut tout faire, mais pas à l'extrême. On touche déjà à ta mère. Et demain, on peut dire que je suis tombée des nuls. C'est parce que tu es ici. Si c'était moi, hein. Oh, maman, je me collais avec ma folie ici. Non. Elle doit avoir de la retenue, Nicole. Non, je n'avais même pas venu parler à Facebook. J'agissais seulement. Elles allaient seulement constater. Vraiment. Surtout la maman là qui a filmé. Elle n'a pas le droit. Filmer et envoyer. Je dis Dieu merci, la chance que tu as eu. Le point de que ma mère est sortie, le bailleur et sa femme étaient là. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les choses alors? C'est quoi ça? C'est ça. Hein? Ils ont dit, c'est moi eux-mêmes qui sont bêtes. Parce que Rébé Mida, c'est quelqu'un qui dit qu'elle est partie à l'école. Moi, je commence à sortir de l'école. Elle dit que ma mère était gratuite chez les soeurs. Comment une maman peut vivre gratuite et celui qui dit qu'elle doit 8 mois de loyer? Je ne comprends pas. La honte de ça, maman. Ils ont eu avec moi. Tu ne savais pas que ta mère habitait dans la gueule du loup depuis. Tu ma mère me disait seulement, elle me disait, moi, je croyais que rien que personne me dérangeait, je ne croyais pas. C'est quand la fille là qui est au Cameroun qui a fait le live, là, que j'ai ouvert, j'ai dit que ma mère est comme ça. J'ai dit que je suis dans le bloc et qu'il n'y a pas. Je pensais que ma mère aurait gardé les choses sur Facebook. Elle dit que non, moi, je te donne l'argent, on te l'a mangé. Tu viens guetter les choses que tu fais pour moi. La fille de la mère est en euros, c'est elle qui a appelé ça. Elle peut dire que viens voir ce que ta mère fait, viens voir ce que c'est ta fille, viens voir ce que ta fille fait. Maman avait déjà amené, je ne faisais pas elle. Elle dit non, ouais. La méchanceté. Pipi sort, elle veut me faire du mal. Pipi, tu veux me faire du mal. Et tu n'as pas voulu. Pardon, laisse-moi un peu celle-là qui a l'héritage des perruques. Elle aussi, elle parle. Quand les gens parlent, elle aussi, elle parle. Pardon. Elle dit qu'elle veut te faire du mal. Elle est venue en Italie pour te porter plein de trucs pour harcèlement. Hé, maman, d'où est-ce que tu veux porter plein de trucs pour harcèlement? Et t'attends. Ouais. Pardon, attends là. Non, mais bon, maman, dans tes injures, je finis jusqu'à ce que... Elle va venir te porter plein. Laisse-moi la dire que ça ne la gratte pas. Je t'ai dit que c'est une dame qui a une vouvouzela. Elle aime souvent crier dans le narien. Nicole, c'est son médicament. Nicole, c'est son médicament. C'est parce que Nicole s'est calmée sur elle. Nicole a dit que je te laisse un peu respirer. Elle est si forte là. Elle soit maintenant, parce que depuis qu'elle a fait la part de sa
Yam Soul. C'est comme ça, elle a commencé à avoir un peu le pouvoir pour parler sur Facebook. Mais oui, je ne peux jamais me soumettre à une femme. Voilà une femme qui est venue te faire. Tu es devenue de bien. Tu gestes du partout sur Facebook. Elle a seulement fermé sa bouche une fois. Pap. Elle a rendu la paix là comme. Je vais jamais me soumettre. Qui? Oh. Voilà un autre qui est devenu Tchinda. Elle est devenue quoi? Général des abeilles. Elle ne peut plus retourner. Parfois, elle retourner avec sa vraie femme. C'est sa femme là-bas, Marie, c'est sa femme. Elle ne peut même plus. Elle a perdu parfois. C'est fini. Le problème, c'est que hier, Flore partageait les vidéos de Marie. Elle faisait même don. Elle était tellement contente. Et aujourd'hui, il faut voir ce que Flor dit. C'est pas normal. Parfois, il faut faire attention. Et aujourd'hui, là, ma soeur, ma yam soeur, m'a porté son propre nom. Fauta, c'est quoi? Et elle commence à insulter. Vous dites que la femme, là, non. L'Oscar d'Amour. Maman, l'Oscar de la manipulation, c'est cette femme. Cette fille que vous voyez là. Elle est divisée pour mieux. Donc, elle vient au centre. Elle aime être au centre pour diriger la vie des gens. C'est comme ça qu'elle est. Ma pépé, si tu m'écoutes, reste dans ton coin. Dis qu'elle. Comment les observer? Ça va venir nous trouver. Oh. Attendez, ça va venir nous trouver. Nous sommes assis là, non? C'est le moment là que moi-même, je vais souvent aller dans les inbox des gens. Je vais bien rire. Moi, je suis en faux profil. Je suis en vrai profil. Elle ne pourra plus trouver notre homme par foudre. Même pas. Elle a perdu comme ça. Un homme qui te donnait tout. Un homme qui te donnait tout. Celui qui paie la maison, il paie les courses, il paie tout. L'argent que tu gardes, tu fais de moi pour payer tes habits. Tu n'as rien que tu avais l'argent là. Rien. Du Camido est en train de transmettre le live dans son. Quand il transmet mon live, du Camido. Laisse-moi, du cabinet, même du jardin, avec tes sales dents. Et là, comment tu es moche. Il dit que présente-nous une femme ouvertement, on voit. Présente-nous une femme. Fais-moi un lait comme ça, là. Tu ressembles à quoi? Tu ressembles à quoi? Il a fini de. Même que tu sois. Il a d'abord fini de décortiquer le live. Fais-moi quand on passe comme ça. Quand on passe aujourd'hui, quand on passe demain, avec tes sales dents, mini comme ça, là. Là, moi, je suis là. Va te raser. Caca aux fesses. Là, qui te considère même? Je suis caca aux fesses. Aide comme toi. Tu as peur de Flore. Le jour où tu sors pour faire les remarques à Flore, les abeilles s'accrochent sur toi, tu rentres avec ta petite queue. Un pied de lit. Hein? Je suis même plus que ça, c'est deux noyaux en place.
Va laver tes fesses. Tu casses saleté, va laver tes fesses. Va te coiffer. C'est ça, mon passé. Vous avez dans ta chambre. Regarde-moi une ligne comme ça là qui est derrière le trou. Je vais te jeter cadavre que tu sois. Moi, là, je n'avais pas prévu de me parler. Peut-être je n'allais même pas faire de la vie. C'est pourquoi je vais me parler. Que ma priorité, ce ne sont plus les lives. Ma priorité, là, c'est mon art, ma musique. Et pour que mon art, je le fasse bien, les cordes vocales doivent être en santé. Lorsque les cordes vocales sont en santé, je lance pas de live. Je reste silencieuse dans ma maison, je me tais. Seule, je ne l'appelle pas, je reste tranquille. Je vous appelle. L'autre parle que le canal est monté. Je t'ai appelé plus maintenant. Quand vous avez raconté les bêtises, c'est les gens que vous regardez. Et aussi, vous prenez le sérieux. On s'appelle plus maintenant. Je préserve ma voix. Et je donne l'importance qu'on me donne. D'accord? Je suis ma priorité. Et c'est un conseil que je vous donne. Si je me permets de bavarder comme je bavarder, c'est pour les gens qui me regardent. Parce que nous tous, on vit des situations similaires. Soyez votre priorité. Quel que soit le type de relation, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, soyez votre priorité. Et les gens qui ne vous mettent pas en priorité, vous les mettez là où ils vous mettent. C'est tout. Vous les placez là où ils vous placent. Si tu passes en deuxième, ils passent en deuxième. Si tu passes en dernier, ils passent en dernier dans ta vie. Que ce soit ton gars, que ce soit ta femme, ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit, je ne sais pas moi, ton ami. Il dit qu'il y a un camp. Qui me fiche le camp? C'est les bambins qui manquent ici. Vous êtes même normaux. Quand il est souvent là et qu'il classe pendant qu'il est là, c'est quoi alors qu'il me manque? La mère vient de dire que c'est pas au camp, que tu peux parler. Qu'est-ce que tu en as à foutre? La mère reste où il veut. La mère, c'est mon fils. Il a dit qu'il est vite. Tu veux parler de la mère, reste avec organisme, c'est qui veut que tu en as attiré. Elles ne peuvent pas vivre sans les classes. Parce que c'est un groupe de maudits. C'est-à-dire, elles ne savent, c'est de la malédiction à l'état pur. Quand elles posent son pied quelque part, elles laissent une odeur nauséabonde. Ça sépare tout le monde. Ça disperse tout le monde. Ça disperse tout le monde. Elle n'a jamais su arranger. Elle n'a jamais su construire. Tout ce qu'elle sait faire, c'est si pareil. C'est pareil. On l'appelle Mbouripo. Ah non, ça veut dire la musaraigne. Ça sent très mauvais. C'est pour ça qu'il n'a aucune amie. Elle n'a personne. Ah non. Cette pieuvre là. Quand vous regardez, voyez bien son visage. L'expression de son visage. Regardez les yeux. De la sorcellerie. Elle est pure la sorcellerie quand tu la regardes. Elle pue la sorcellerie. Elle ne sait que détruire. Elle ne sait rien faire d'autre. Rien faire d'autre. La preuve. Elle vous a déjà dit combien de fois? Je ne vais plus clasher. Elle vous a dit déjà combien de fois? Maléba, la maudite, ne va plus clasher. Elles ne peuvent pas vivre sans les classes. Elles ne peuvent pas vivre sans les classes. Parce que c'est un groupe de maudits. C'est-à-dire, elles ne savent, c'est de la malédiction à l'état pur. Elle ne sait rien. Posez-lui la question à la pieuvre, visage de la sorcellerie, celle qui donne des conseils de ça. Wow. Moi, respecte mes invités qui sont là. Non, c'est moi qui dois me taire. Et laisser l'invité me maltraiter chez toi. Allez, demain, il ne faut pas te plaindre. Attends, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit qu'il y a un camp. Qui me pousse le camp? C'est les bambins qui manquent ici. Vous êtes même normaux. Quand il est souvent là et qu'il classe pendant qu'il est là, c'est quoi alors qu'il me manque? La mère vient de dire que tu peux parler. Qu'est-ce qu'on a à foutre? La mère reste où il veut. La mère, c'est mon fils. Il a dit qu'il est vite. Tu veux parler de la mère, reste avec organisme, c'est qui veut? Qu'est-ce qu'on a à tirer? La mère, lui-même, tout son ramassé de modération, c'est ça, c'est mon fils. Ça m'enlève quoi? Ça m'enlève quoi? Je laisse pas bon vent. Qui reste avec lui, fait ce qu'il veut? Moi, voilà. Observer. On m'a dit ça, mais maintenant jusqu'à un gars qui est haineux, parce qu'il va pousser les gens à me détester.
Il a dit que... Ouais, c'est comment? Bonjour, Guillaume, comment tu vas? Ouais, je t'écoute. J'avais mon... Je voulais donner mon point de vue sur le sujet. Apparemment, tu l'as déjà clos. Bah vas-y, mais hein, on peut revenir. Ah, d'accord. Ça, en ce qui concerne le... Parenthèse. Ben, je veux faire remarquer aux gens qui ont souvent l'habitude de dire que les hommes insultent les femmes. Vous allez écouter, je vous ai pas vu réagir. Hein. Voilà, c'est ce que je disais à Cash le matin, que quand tu dis que tu défends les femmes, tu vois quand une femme insulte un homme. Ça ne vous choque pas. Mais quand un homme se met à répondre, parce que moi, justement, j'ai justement, c'est de ça que je... J'ai tous les détails sur elle, je me suis refusé de faire ça. C'est de ça que je voulais justement parler. Vous êtes en train de regarder, j'ai même pas vu, même dans les commentaires, vous êtes allé dire que je transmets ça. Parce qu'elle était en train d'insulter Flore. Et là, parce qu'elle m'a vu, elle va se calmer. Elles étaient en train d'insulter Flore dans le live. Et je sais qu'elle devait nier. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai appris la première partie de son direct. Vous êtes en train d'écouter. Et parce que quand je vais réagir, parce que là, tout ce qui est de sa maman, là, j'ai ça. Donc, elle m'a donné donc l'autorisation de publier sa mère. Parce qu'elle s'est mise à me faire lyncher. Vas-y, vas-y. Ok. Bon, comme je t'ai dit, moi, je ne vais pas retourner. Je ne suis pas sur le sujet de Nicole. Vas-y, je vais retourner un peu feedback sur mes seins, tu vois. Et justement, ce que tu es en train de dire là maintenant, c'est le motif pour lequel je suis montée. Là où je disais, tu sais, les gens, je ne sais pas si c'est l'ignorance ou bien c'est l'hypocrisie de l'homme noir. Tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que quand nous vivons dans un monde où aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'une femme a le droit d'être mal éduquée, une femme a le droit d'être, je ne sais pas, folle, une femme a le droit de se lever, insulter les entrailles de n'importe qui, à partir du moment où elle est femme, ça passe. Un homme est celui qui doit subir. Qui doit subir le fait que sa famille soit insultée, ses enfants soient insultés. C'est-à-dire, on veut nous faire croire dans les réseaux sociaux qu'un vrai homme, même s'il est accusé de meurtre et qu'il a les moyens de se défendre, il ne devrait pas se défendre. Il est un vrai homme à partir du moment où il ferme sa bouche et il accepte qu'il a commis ce crime. Voilà. Alors cela fait de lui un vrai homme. C'est ce que les réseaux sociaux veulent nous faire croire. C'est ce que des gens, soit par ignorance, soit par hypocrisie, ou bien soit par stupidité, parce que je suis désolé, il y a beaucoup de personnes, comme M. Messin dit, souvent stupides sur la toile. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous êtes dans vos maisons, vous avez des enfants, des petits-enfants, des filles et des hommes. Ceci vient encore révéler comment beaucoup d'Africains et vous savez, tu sais quoi, du Camé, beaucoup d'Africains éduquent leurs enfants. Vous avez des enfants dans vos maisons, des filles et des garçons. Et vous voulez dire que vous apprenez à vos petites filles dans la maison qu'à partir du moment où elles sont des femmes, elles peuvent se permettre de faire du n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça. Parce que, regarde, même la loi ne te donne pas raison que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois trans. Il n'y a pas une loi qui dit que parce que tu es femme, tu as eu le droit d'agir comme ça. L'égalité des sexes. Si tu es femme et tu penses que tu as le droit et le devoir de te lever, d'insulter un monsieur, d'insulter ses parties génitales, d'entrer dans son intimité, dire qu'il ne peut pas faire d'enfant, il ne peut pas. Je vais t'annoncer ce matin que sache que tu as aussi le droit, toi, et le devoir de t'asseoir, t'attendre à ce que cet homme a le droit de faire la même chose que toi. C'est-à-dire entrer dans ton intimité, t'insulter comme il se doit.
Parce que si vous voulez dire qu'un vrai homme, c'est celui qui ne répond pas, moi aussi, je vais vous dire qu'en Afrique, on nous a appris que la vraie femme ne parle pas. La vraie femme n'est pas dans les insultes. La vraie femme ne répond pas. Si compresseur peut se lever, insulter me sent, insulter madame me sent, insulter les entrailles de mes sangs, ses parties génitales, elle doit s'attendre à ce que monsieur me sent va se mettre sur le même pied d'égalité. Arrêtez de vouloir étouffer les gens sur la toile. Les mêmes litres de sang qui coulent dans le corps de compresseur, c'est le même nombre de litres de sang qui coulent dans le corps de monsieur Messang. Ouais. Le même trajet que le sang fait dans le corps de compresseur, c'est le même trajet que ça fait chez monsieur Messang. Même en mot ici sur la toile, je vais toujours dire ça ici. Parce que vous allez vous tenir, vous allez dire que monsieur Messang a cherché parce qu'il lance les directs, il répond aux gens. En mot ici sur la toile, je ne lui dis pas qu'il est parfait parce que je ne le suis pas. Mais je lui dis, c'est un monsieur qui n'a jamais pris son téléphone aussi pour insulter quelqu'un en direct. Mais on l'a vu quand il y a eu des problèmes avec sa femme, prendre le téléphone, lancer le direct et prendre les balles pour sa femme. Parce que le corps de l'être humain est fait de cœur. Moi, je dis et je répète, compresseur mérite ce qu'elle a eu hier et propre. Et je suis une femme. Je suis une femme. Parce que vous ne pouvez pas aduler madame me sent disant c'est une vraie femme parce qu'elle ne répond pas. Et vous avez une autre femme d'un côté qui se comporte comme un animal. Tous les jours sur des clashs à insulter tout le monde. Et vous venez maintenant dire que celle-là, on doit la laisser. Du Camer, tu sais pourquoi il est bon parfois quand tu es accusé de répondre. On ne répond pas souvent parce qu'on veut entrer dans la boue avec celui qui t'accuse. On répond parce que malheureusement, du Camer, sur la toile, il y a des gens qui ont les petites mœurs. Tu comprends ce qu'il veut dire? Il y a des gens qui croient à n'importe quoi. Même les hommes les plus riches au monde, quand ils sont accusés de quelque chose, ils prennent des avocats et ils se défendent. Kylian Mbappé a pris les avocats pour un monsieur qui a mis son nom sur un truc de hamburger et il a porté plainte. Ce n'est pas parce que ce monsieur va lui donner quelque chose au tribunal. Non, c'est parce que la vie dans laquelle nous sommes si les gens écoutent et les gens regardent. Quand une personne fait, il suffit que tu laisses. Tu as ouvert la porte à 1000 autres. Soit tu frappes la main sur la table pour montrer aux autres que vous qui étiez en train de vous apprêter à venir faire la même chose, soyez que je suis prêt, sachez que je suis prêt pour vous. Monsieur Messang et sa femme, madame Messang même surtout, a déjà été insultée sur la toile si cette femme avait ses jumelles dans le ventre. Je vais parler maintenant un nom, on va dire que pourquoi tu as mis le nom de Flore, mais ce n'est pas pour l'incriminer, mais je vais juste retourner à la genèse. Madame Messang était enceinte des jumeaux du Camer. Quand Flore a lâché le cacham sur elle, sur la toile, avec ses abeilles, elle avait ses jumelles dans le ventre. Ses jumelles ont quel âge aujourd'hui, du Camer? Ses jumelles ont quel âge aujourd'hui? Monsieur Messang, c'est en cette période, si tu te souviens quand il y a eu la période du COVID, c'était dans la même période quand madame Messang était enceinte. On s'est levé un matin, on nous a dit, monsieur Messang, il a failli mourir quand l'hélicoptère est venu le prendre. En urgence, que s'il faisait encore quelques minutes à l'intérieur de la maison, il devait mourir. On a dit c'est le COVID, c'est vrai. Mais est-ce que même la pression que ce couple subissait sur les réseaux sociaux avec les abeilles, vous pensez que ce monsieur dormait bien? Vous pensez
que vous avez le monopole sur la toile de pouvoir insulter des gens parce que vos mamans ont fait des filles et le monde ne va plus, va cesser d'avancer parce que vous êtes des filles. Bon, comme Compressor donc est une femme et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, pourquoi elle ne part pas à la Banque de France avec une arme et braquer? On voit comment la justice française va lui dire, madame, prenez vos habits, rentrez chez vous parce que vous êtes une femme. Voilà. Comme Compressor, en tant que femme, a le droit de faire certaines choses. Compressor, je sais que tu es sans faux profil. Pourquoi tu n'arrêtes pas une femme blanche française, un homme blanc? Je ne dis même pas la femme, je dis Compressor, même aujourd'hui, lance un direct, tu insultes un Français, un homme blanc français en route. Un homme, pas une femme. Nous, on aimerait voir comment tu vas venir nous dire que la justice française t'a demandé, t'a libéré et t'a demandé de rentrer chez toi parce que tu es une femme. Là, on va comprendre que sur cette terre dans laquelle nous vivons, les femmes ont droit à certaines choses que les hommes n'ont pas. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous pensez que ce couple, c'est devenu votre punching ball. Chacun va se lever et il va dire du n'importe quoi. Le couple, là, doit être le couple qui reste tranquille. Même l'homme, un des hommes les plus puissants qui avait été accusé par une prostituée qui l'avait violée. Pourquoi vous n'êtes pas allé dire à Strauss-Kahn, si je me souviens encore bien, que non, il ne doit pas aller prendre des avocats, aller au tribunal parce que c'est un homme. Il ne doit pas se défendre et il doit laisser la prostituée salir son nom sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelle éducation qu'on veut donner en Afrique? Compressor, c'est une femme. C'est comme ça qu'on a appris à une femme de se comporter en Afrique. Vous êtes dans les maisons, vos petites filles de 10 ans, vous êtes en train de les apprendre à se quereller et à insulter des gens. Et vous appelez les garçons derrière, vous dites aux garçons que vous savez, les filles vont vous insulter demain, mais vous restez tranquille. Ça n'a pas de sens. C'est ça que moi, je voulais revenir. La sortie de M. Messan, que vous soyez d'accord ou pas, moi je le dis, il a bien fait. Compressor, tu es un homme, tu t'es aussi attaqué à un autre homme, parce que pour moi tu n'es pas une femme. D'accord? Si en Afrique, être une femme, c'est avoir un vagin, c'est de saigner à la fin du mois, ou bien de machin, les trans aujourd'hui ont les vagins et ils ont les seins. Les transsexuels ont les vagins et ils ont des seins. Et ils disaient qu'ils sont des femmes. Tu ne peux pas prouver qu'ils ne sont pas des femmes. Donc, pour moi, tu es un homme à travers ton comportement. Et tu vas t'affronter à M. Messan, qui est un autre homme comme toi. C'est ça qui est ça. Marthe Chopard, la justice l'a condamné à payer le couple Messan. C'est une femme comme toi. Continuer à insulter les gens et opprimer ces mêmes personnes dans les maisons en leur disant, nous on peut vous insulter mais vous restez tranquille. Ne répondez pas, c'est ça qui fait de vous des bonnes personnes. Audrey Kawai, je m'en fous de toi, ma chérie. Tu ne me dis pas que je suis dans le noir parce que je ne suis pas un faux profil. Retourne me regarder, c'est toi qui es un faux profil, idiot. Ou c'est idiot. Je ne suis pas un faux profil. Je suis un vrai profil et j'ai toujours intervenu dans les directs du Camé en disant ce que je pense. Et je ne connais même pas, je n'ai pas un faux profil. D'accord? Que tu es dans le noir. Je suis dans le noir parce que je devais travailler le soir et aujourd'hui, je me suis réveillé tôt le matin. Puis je pensais que je travaillais le matin. Je suis même arrivé au lieu de travail. C'est là où on me dit, non, tu travailles le soir. Je suis retourné en arrière et j'étais fatiguée, j'ai dormi. Je te parle comme si je suis allongée là. Je viens de me réveiller, je vais aller me commencer à me préparer pour aller au travail. C'est pour ça que je suis dans le noir, parce que je suis encore sur mon lit. Mais je ne suis pas un faux profil. Donc ne pensez pas que les gens qui parlent sont des maléfiques, qui sont derrière les faux profils. Ce sont des gens qui en ont marre de l'injustice. Ce sont des gens qui en ont marre de l'injustice. Monsieur Messan a frappé hier là où il fallait. Compressor, tu as dit que tu veux la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Ce qui est sûr, c'est ça. Si vous dites que vous voulez même la paix, non, sachez que sans la guerre, il ne peut pas avoir de paix.
Préparez-vous d'abord à la guerre. Oui. Ça fait combien de mois qu'on pressent, insulte mes sangs du Cameroun. On ne parle pas d'une histoire de deux jours, d'une semaine, pour dire que... Et pourquoi non, je vous ai dit que eux, ils ne peuvent pas arrêter. C'est des gens comme ça qui vivent de... Ils vivent de ça, ils ne peuvent pas arrêter. Si c'était une histoire d'une semaine ou de deux semaines, on pouvait dire, non, monsieur, non, non monsieur, vous n'avez pas été patient, vous devriez laisser et regarder un peu jusqu'où ça va aller. Non, on parle des histoires de 4 mois. On parle d'une histoire de 4 mois. Après, quand vous finissez de critiquer M. Messan parce qu'il a répondu, maintenant vous allez aller, vous partez accuser Nicole. Non, mais Nicole, ça c'est déjà un acharnement envers Lolo. Ce qui concerne ça, c'est, ça fait combien de temps que tu insultes la pauvre, c'est un acharnement. Mais quand c'est compressor, comme c'est une femme, on ne devait pas, parce que c'est Messan qui a répondu. Parce que vous ne comprenez pas que ces gens ne laissent pas tant que tu ne les montres pas aussi le feu. Depuis que Nicole insulte Lolo, Lolo reste tranquille, elle ne répond pas. Est-ce que Nicole ne va pas de l'avant? Hein? Vous pensez que la solution c'est de rester tranquille et regarder, continuer dans la méchanceté comme ça? Mettre des enfants à l'intérieur. Là maintenant, elle n'est pas en train de répondre. Elle est en train de préparer effectivement un truc avec son neveu. Ils vont préparer un truc et ils vont venir déposer. Attendons voir qu'ils se remettent ensemble, non, Audrey Kaou. Je sais que tu es prophétesse et que tu vois le futur et tu es en train de nous avertir du futur. Attendons voir quand ils vont donc se remettre ensemble. Attendons voir quand ils vont se remettre ensemble. C'est ce que moi je voulais te dire, Dikamé. Okay. Tu comprends. Monsieur Messan en a marre. C'est tout. Voilà. Qui est dit, Monsieur Messa, il a eu son droit de réponse. Parce que ces gens-là, franchement, moi, ce que je peux dire à Monsieur Messa, il ne faut pas qu'ils soient engrenés dans ça parce qu'eux, ils ne vont pas lâcher. Vous avez vu la petite fille là, comment. Après, alors que la dernière fois, je lui donnais des conseils, il fait attention, j'ai des trucs sur elle. Je me suis abstenu. Et là, ce qui m'impressionne, c'est que quand elle m'insulte, déjà, il ne parle pas. Hein, mais quand je vais faire du Messa, quand je vais m'asseoir pour lui dire ce que j'ai envie de lui dire, tu vois, moi, les gens vont dire du Camel, les femmes. Vous regardez. Donc, moi, je mérite d'être insulté, en fait. Je vous pose la question parce que je ne vous ai pas vu dans les commentaires dire que du Camel, machin, tout le monde. Si maintenant je me mets là pour dire ce que je pense, vous allez dire que oh, du Camel insulte les femmes. Donc, en fait, moi, on peut m'insulter. C'est ça. Elle peut m'insulter parce qu'elle me faisait. Même sur ma page, je ne permets pas qu'on la linge. Est-ce que j'ai permis à quelqu'un d'insulter cette fille sur ma page? Je dis non. Mais vous, c'est parce que vous aimez ça, en fait. C'est pourquoi elle dit que vous aimez ça. Tout à l'heure, elle est en live. Ils aiment ça. Parce que, en fait, elle a réussi parce qu'elle a envie d'insulter Flore. Elle ne veut pas le faire sur Facebook. Tu vois. Donc, elle a envie de régler ses comptes avec Flore. Et là, elle a eu honte parce que je l'ai attrapé. Et les gens sont quittés de mon live. C'est pourquoi il y a des gens que je vais bannir sur ma page. Voilà. Ceux qui ne partagent pas mes lives, tu sens que c'est des trades. Ils vous bannissent. Les gens sont allés lui dire parce que je voulais l'attraper dans son jeu. Comment je n'ai pas de faux profits sur TikTok. On allait lui dire. Donc, ils sont sur ma page. Donc, sachez que moi, je vais dire à Flo que tu as les ennemis qui suivent cette fille. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup d'ennemis à toi. Donc, quand je suis dans. Tu veux dire quelque chose, moi, je suis à la conclusion. On n'a pas que ça à faire. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça avec elle. Voilà. Je suis allé regarder le profil de la fille qui m'insultait sur sa page. C'est un faux profil. Moi, je ne veux pas aller en gamme, un faux profil comme ça. Là. Donc, Nicole. Je ne suis pas un faux profil, non, hein, monsieur. Je ne parle pas de toi. Je parle pas de toi. Ah, d'accord. Non, toi, je te connais. Ça fait longtemps qu'on... Je parle de... Parce que tout à l'heure, j'étais sur la page TikTok de Nicole. Elle a mis une fille pour m'insulter, tout ça. Et je ne répondrai pas de cette manière-là. Parce qu'elle est suffisamment à terre. Et les femmes qui sont en train de la supporter, au lieu de contribuer... Sa mère doit 8 mois d'arriérer. Au lieu de l'aider pour ça, elles sont en train de l'encourager dans la guerre. Donc, quand tu vois... Donc, vous dites qu'il ne faut pas insulter les femmes. Tu vois, tu écoutais ce que... C'est qu'elle essaie de dire sur ma page, sur moi. Non, mais je ne dis pas qu'on ne s'attaque pas aux femmes. Tu t'attaques, tu peux t'attaquer à la femme qui s'attaque à toi. Tu écoutes, c'est tout ce que la fille a dit sur sa page, sur moi. Tout. Les histoires des parties intimes, ou peut partir pas intimes, vous attendez, ça va venir. On peut dire ça à un homme. Non, mais soyez raisonnable. Hein. Les parties intimes,
Non, je, moi, laissez-la sans, un homme doit gober ça en fait. Non, non, en réalité, je n'ai pas écouté. Hein, je n'ai pas écouté. Donc, je n'ai pas écouté en fait. Je veux savoir je si ne peux pas... homme peut rester comme ça. On insulte, comme ce qui arrive à maison. On insulte sa femme. On dit que sa femme fait les patous. On dit que sa femme fait ceci. Lui il peut encaisser ça en fait. Il peut encaisser tous les jours. Non, du coup, mais j'ai que bien précis. J'ai dit. Non, je ne dis pas seulement comme monsieur, mais ça. Par rapport à toi. Beaucoup de gens pensent qu'un homme peut lui dire tout. Ah, ok. Et un homme, il doit rester comme ça. Parce que quand l'homme va parler, on va dire que l'homme a insulté la femme. C'est un peu comme la bagarre. Quand vous voyez une mari, qu'elle va me bastonner à Paris. Effectivement, parce qu'elle joue sur un truc. Comme elle a une femme, elle va venir m'arrêter et que si je la tape là-bas correctement, on va venir me mettre en cause. Donc, c'est pourquoi, pour contrer ça, j'opte pour un dépôt de plainte avant. Voilà. J'opte pour ça. Moi, je dis. Donc, ces femmes qui se plaignent qu'elles sont des femmes, moi, je veux une femme qui va me lancer un défi sur les réseaux sociaux. Ma chérie, si tu penses que le fait d'avoir deux seins et un vagin, excusez-moi d'être grossière, te donne certains droits que l'autre n'a pas. Moi, je vais vous prouver que dans la justice, on parle d'égalité. Allez dans des banques, allez dans des supermarchés, lancez votre direct, mettez l'arme, le couteau, une machette sur la tête de quelqu'un et prenez le dû de quelqu'un, sortez de là, venez nous montrer comment la justice en elle-même va vous laisser sortir de là parce que vous êtes une femme. Si cela arrive, moi-même, je demanderai des excuses à Compressor en lui disant, je te demande des excuses parce que je ne savais pas que la loi avait changé et qu'une femme a certains droits qu'un homme n'en a pas. Les mêmes hommes qui viennent écrire des bêtises ici, là, je les vois en train d'écrire, non, un homme ne répond pas, une femme. Ce qui est bien, c'est que quand ces mêmes femmes en France vous mettent dehors avec vos habits à travers les balcons, vous êtes les premier à lancer les directs et dit « Oh, les femmes en France, vous êtes méchantes. » Parce que quoi? Parce que je répète, les femmes africaines se disent dans la tête, dans leur tête, que le fait d'être femme, elles sont hors la loi. Vous avez compris? Si vous ne voulez pas tuer ça, allons de l'avant comme ça. Mais les gens comme M. Messan, si tu es une vraie femme, ne réponds pas aussi. Une fois que tu insultes un homme, tu insultes sa partie génitale, tu lui dis qu'il ne fait pas des enfants, tu dis qu'il est bulldog, machin, attends-toi ce que lui aussi vient, il te dit que tes fesses coulent le sang, il fait ça pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle égalité. Ça, c'est vraiment la loi. Voilà. Ouais, et les gens s'attendent à quoi? Comme pour ça, s'attendait à ça, et c'est comme son ex-grand frère très violent quand il sort. Donc, moi, j'ai dit simplement que, mais ça, on pouvait le faire, mais pas aussi à l'esprit violent. C'est vrai qu'il se défend. C'est normal aussi qu'il se défende. Mais on sait déjà que Compressor est comme ça. Elle ne peut pas changer. Même si, mais ça, on décide d'arrêter même pour 5 ans. Compressor ne peut pas arrêter. Hein. Elle va continuer à le faire parce que ça, elle se plaît dans ça. Et tu vois, et la meilleure solution pour moi, c'est de l'isoler en quelque sorte. De l'isoler parce que quand elle se sent délaissée, elle se sent mal. Donc, c'est ça. Répondre violemment aux enfants, aux mères des gens, bon, c'est qu'il accepte ça. Donc, c'est pas qu'il se défend, il va se défendre, mais comment? C'est donc ça. Mais je ne remets pas ça en cause. Il a le droit de se défendre. Encore venant d'une personne comme Compressor, toute la toile est contre elle. Contre ses propos, quand elle sort, elle est très maladroite. Elle tire elle-même sans s'en rendre compte qu'elle tire sur elle. Bon, on va dire quoi d'une telle personne? Qui sort elle-même ses propres balles pour se tirer dessus. On trouve que non, il faut seulement l'isoler, elle n'a rien à dire. Cette fille est d'une méchanceté. Quand elle est allée, regarde les petits bouts de choux, regarde les petites jumelles là. Compressor, tu as allé sur ce médecin. Tu as appelé les petites jumelles là, t'ont appelé Tata. Ces petites filles, elles étaient bébés. Tu as allé chez le médecin Compressor, tu les as portées entre tes mains. Merde, on peut être cruel comme ça? C'est donc ça qui est le problème, parce qu'elle ne peut pas changer. Elle va faire un live, si ce n'est pas ce soir, c'est demain, elle va continuer dans la même lancée, elle ne peut pas changer. Donc elle est comme ça. Pour moi, M. Messan est en avant, il travaille, il a un travail, il a une famille, les enfants. S'occuper d'une femme qui est là, c'est moi, insulter les enfants et les mamans. Bon,
c'est revenu à son niveau. C'est vrai qu'il faut répondre, mais répondre à qui, à un moment donné. Ça dure, c'est depuis longtemps, ça dure. C'est pas aujourd'hui qu'elle fait ça. Et quand on connaît quelqu'un, on vit avec cette personne, donc on l'isole, on ne parle plus. Et là, je suis d'accord avec ce que vous... Si c'est l'autre... Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je vais dire, si quelqu'un de sensé dit, monsieur, mais ça, moi, je vous comprends, mais franchement, celle-là n'en vaut pas la peine. Parce que franchement, même, en ayant écouté même les vérités sur elle, mais c'est pas comme si c'était les vérités, on ne sait pas. Mais venant même de son grand frère, parce que les gens disent, oh, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais vraiment, son grand frère, c'est quand ça vient même de sa propre bouche, celui qui l'a accueilli chez elle, qui a lu pour elle. C'est que ça vient confirmer vraiment que même l'écrit, elle ne sait pas. Je vais dire, quelqu'un peut dire, je vous comprends, mais ça n'en vaut pas la peine. Cette femme, elle n'en vaut pas la peine, laissez-la. Mais non, c'est une femme, vous ne devez pas l'insulter. Là, nous, les femmes, on peut faire ce qu'on veut. Personne. Il n'y a pas femme sur ça. Une femme qui s'attaque à moi violemment, moi, je m'attaque à elle violemment. Hein. Du moment où la femme me respecte, moi, je la respecte. Jusqu'ici, je n'ai jamais. Je me suis dit, on ne sait pas si on m'attaque. Même si on m'attaque, je peux faire du vieux ignoré. Mais une femme qui s'attaque frontalement à moi, moi, je m'attaque à elle. J'enlève les gants. Hein. Je ne suis pas très fort. Pour ça, oui. Mais à un moment donné, il y a des personnes qu'il faut isoler comme les compresseurs. Compresseur, c'est sa nature, elle est comme ça. Elle est dotée de ça. Elle aime le clash. Elle aime vivre de ça. Et c'est fou, elle a nourri ses followers comme ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, monsieur, mais ça, lui, il a décidé un temps, il a fait presque 4 mois, il ne parlait plus de ça. On a constaté que lui, il est passé à autre chose. Mais s'il revient encore là-dessus, là, s'il n'a pas compris la leçon, mon frère, il joue au jeu. Je me rends compte que jusqu'à, je me souviens quand les tatanas lançaient les directs, ils disaient non, envoie-nous les voices. Les tatanolo, le monsieur continuait à serrer que non, à un certain moment ou un autre. Voilà. Mon petite soeur va se calmer. Quignon, jusqu'à les nadèges ont lavé les mains. Ok, comme tu ne veux donc pas envoyer les voices, nous aussi on se retire. Qui n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux? Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? 4 mois sur le dos d'une personne? C'est parce qu'elle n'a pas de conseil, elle n'a pas de sujet. Qu'elle lance son live, elle ne sait même pas ce qu'elle va venir dire. C'est pour ça que parfois elle tire sur elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'elle ment ce qu'elle va dire. Ça, c'est mon analyse. Elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Elle est obligée de tirer sur elle-même. Tu vois une femme qui vient dire, j'ai dormi en bas du pont. Quelqu'un m'a aidé 200 euros. Et tu simplifies les 200 euros, que ça ne va pas avec toi. Tu as un problème avec ta personne. Mon frère, si tu travailles, parlons peu, parlons vrai. 200 euros, c'est équivalent à combien de jours de travail? Mais 200 euros déjà, ou en ici, en France, d'abord, on dort dehors. Tu prends, donnes 200 euros. Mais il va prendre une chambre à 50 euros. Il dort d'abord bien. Une nuit de sommeil, c'est équivalent, je vais dire, minimum, c'est équivalent à disons, deux jours de travail, bien sûr. C'est-à-dire, ouais. 2 jours dans lesquels un être humain se levait de chez lui à 5 heures du matin, le sommeil était tout dans ses oreilles, voilà. Dans ses yeux. Pendant que la bonne dame dort aussi. Jusqu'à 11 heures. Voilà. Mais il s'est levé à 5 heures. Il a abandonné sa femme sur le lit. Il a laissé ses enfants dans la chambre. Il a démarré sa voiture. Il est allé peut-être boire 5 cafés pour pouvoir se réveiller, pour qu'il puisse travailler. Il a travaillé à la sueur de son front là où, avec tous les risques qu'on rencontre dans des sociétés, peut-être une machine pouvait tomber sur son pied parce que nous, on en a vu même qu'ils sont paralysés des bras aujourd'hui parce qu'une machine a coupé ses machines. Tous ces risques qu'on court, il a fini comme ça. Ça, 2 jours de souffrance. Il est rentré, il a enlevé ça, il a remis entre les mains du diable. J'aurais voulu que parfois, quand elle finit de faire ses lives, elle se réécoute elle-même. Hein, parce qu'elle dit des choses qui vont contre elle-même, elle ne sait pas. Je ne sais pas si elle fait ça exprès ou bien c'est pour plaire à ses followers qu'elle a fabriqué ainsi. Mais franchement, composeur, il faut te revoir. Parce que tu donnes des conseils aux jeunes d'aller travailler. Mais toi, bon, j'ai appris que tu travailles à ce qui est bien. Il ne se fait pas trop tard. C'est toujours important de travailler. Mais quelqu'un qui t'a remis 200 euros pour aider, il t'a aidé. Mais tu te mets à mon dos, tu simplifies. Tu dis non, il m'a donné, je dormais en bas du pont, mais tu t'entends parler. Il t'a aidé. Si il ne t'aimait pas, il ne devait pas te faire. Tu dormais en bas du pont. Mais ce n'était pas la première fois. Il l'a fait plusieurs fois. Soit mon grand frère. Mon t'appelle ingrat. Mais le monsieur, même. Attendez, mais s'il vous plaît, laissons-moi, monsieur, mais sans lui arriver 200 euros. Compresseur, tu te rends compte que tu te mets à mon dos visé, tu dis. Tu as dormi en bas du pont, monsieur, mais Santa seulement a remis 200 euros. Pendant que ta propre mère qui t'a mis au monde est en France avec toi. Tu es
sur les réseaux en train de clasher que les autres ne t'ont pas aidé. Ta mère était où quand tu dormais sur le pont compresseur? Non, 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 tu ne peux même pas tirer, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler. Sa mère l'a fait venir en Europe. Elle était mature, elle était majeure. Elle va prendre ses responsabilités. Elle était dans le 17e. Elle avait appris. Elle était responsable. Si elle avait appris la résolution d'être avec les hommes, c'est que elle savait où elle passait. Sa mère ne l'a pas fait venir pour rien. Elle pouvait s'en sortir. À son époque, il y avait encore trop d'opportunités en France. C'est pas comme aujourd'hui, c'est devenu encore trop difficile. C'est elle qui s'est tirée vraiment une balle dans le pied elle-même. Elle n'a pas voulu évoluer, c'est tout. Elle a pris le blogging au sérieux, ou bien la réalité. Les followers aussi, on a soudoyé avec les 50 euros, 100 euros. Elle se plaisait dans ça. Voilà aujourd'hui. Elle comprend aujourd'hui que non. Le simple fait qu'on lui ait donné 200 euros là, c'était petit, mais si elle travaillait son propre argent, elle devait comprendre l'utilité de 200 euros et la valeur de ça. Tu sais quoi, Compresseur a dit un truc dans son direct. Et moi j'analyse beaucoup les dits, les gestes, les trucs. Compresseur, tu as dit, c'est toi qui vas creuser la tombe pour que monsieur Messang entre. Je vais te dire une chose que tu ne même pas en train de te rendre compte. Monsieur Messang est en train de mettre au pas. Tu sais là où tu as prouvé ça? Quand tu as sorti une vidéo pour prouver que tu travailles. Je vais t'expliquer. Ah ben ouais. Je vais t'expliquer. Ben ouais. Tu sais pourquoi tu as sorti cette vidéo? C'est parce que tes dernières récoltes de dons, personne ne t'a rien donné. Parce que les gens ont dit, va travailler, tu fais les dons. Et ça t'a fait mal parce que la dernière récolte de dons, tu n'as rien reçu. Maintenant, pour ramener les gens, pour dire que non, je sais que vous ne m'avez pas donné parce que je ne travaille pas. Voici pourquoi je travaille. Parce que ça fait plus de 5 ans que tu es derrière les réseaux sociaux. Tu n'as jamais montré un endroit où tu travailles. Mais le tout aussi, tu as été... Toi-même, tu as dit dans ton direct que vous allez même pousser les gens à montrer ce qu'ils ne veulent pas montrer. Quelque chose t'a poussé à montrer ça. Et ce sont les dons. Là, maintenant, elle va connaître la valeur de 200 euros si elle travaille vraiment. La valeur de 200 euros, vraiment, ça, elle va comprendre. La prochaine fois, quand on va remettre une 10 euros, elle va respecter les 10 euros. Elle va comprendre que sortir à 5 heures, dans le froid, aller travailler 8 heures par jour, parfois même pour 10 euros, parfois même pour 9, parfois pour 8 euros. Beaucoup le font ici. Mais ils ne disent pas la réalité. Mon frère, parfois, d'autres travaillent pour 15 euros, mais à la fin, après les factures, non, finalement, il n'y a plus rien à la fin. Mais il s'est permis de donner 200 euros, mais toi, tu as simplifié. Bon, mon problème, mon souhait, c'est que tu aies vraiment la santé pour continuer ton travail, là, que tu ne tombes pas malade. Là, tu vas connaître la valeur du travail et la valeur de l'argent de mes sangs, les 200 euros qu'il t'a donné. Voilà. Là, c'est encore plus mieux. C'est ça. Quand on veut qu'on l'aide, on va se soumettre et plus accepter tout ce qu'on... Mais il a dit cette vérité hier. Ouais. Il t'a dit que tu es condamné à ne vivre que... C'est-à-dire, quand il parlait de malédiction, j'ai eu la chair de poule ici parce que la manière dont il a décrit ça, c'est justement comme une malédiction. Hein? En France, ici, en Italie, même si tu ne sais pas, il y a les Nigériens, je ne sais pas en France là-bas comment ils se comportent. Ici, en Italie, les Nigériens n'apprennent pas la langue de quelqu'un d'autre. Ils sont toujours là avec leur pidgin. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas apprendre quelque chose. Mais il y a le travail pour tout le monde. Même un moumou en Europe a un travail. Le blanc te dit, nettoie-moi mon sol, je m'en fous si tu parles, je m'en fous si tu sais parler, je m'en fous même si tu as les dents dans la bouche. Nettoie le sol, je te paye. Qu'est-ce qui a empêché Compresseur de travailler? Pour venir mépriser les 50, les 100, les 150, les 200 euros que M. Messang a fini. Parfois, tu finis le travail, mon frère. Moi, j'ai toujours dit ça. Je travaille comme ma chère auxiliaire de vie et j'ai mon activité, j'ai mon bar. Parfois, je travaille, mon frère, je rentre, le dos me fait mal, je suis fatigué. J'enlève mon argent, je donne à quelqu'un et la personne vient mépriser ça. Une personne qui dort jusqu'à 11 heures du matin. Mais espérons, c'est... Bon, j'ai lu un commentaire, mais si qu'est-ce qu'elle a se filmé pour montrer qu'elle travaille ou pas, ça n'engage qu'elle. Vas-y. Qu'elle aille se filmer à l'hôpital pour montrer qu'elle travaille, mais c'est elle-même qui a son problème. Elle s'attire encore plus. Je ne pense même pas d'abord à cette vidéo.
Moi, j'ai dit que je ne prends pas cette vidéo à partir du moment où elle n'a pas montré ses chaussures. Tu sais quoi, hein? Quelqu'un, elle pouvait même aller à l'hôpital, elle trouve une fille noire en train de faire le nettoyage. J'ai dit à la fille noire que s'il te plaît, ma chérie, je peux filmer ton sourcil. S'il te plaît. C'est possible. Moi, je le dis. Parce que j'aurais voulu qu'elle montre ses chaussures. Si elle avait filmé pas son corps, et elle peut dire le corps, non, ils vont me lyncher sur les réseaux sociaux. Si elle avait, parce qu'il y a aussi même les chaussures, la tenue, ça a montré son visage. Moi, je pense même qu'elle a filmé le saut d'une autre personne. Tout ça pour que les gens donnent l'argent pour les dons. Non, comprenez aussi, si même si Flo ne travaille pas, que ce soit Lolo, que ce soit Flo, si les deux ne travaillent pas, peut-être, bon, parce que je n'ai pas encore vu Flo venir simplifier l'argent que ses aveugles ont donné, hein. Ni Lolo. C'est compresseur, elle a craché sur la figure d'Indolo Moulema et Nancy, à mon avis, les personnes qui étaient, les personnes qui l'aidaient franchement. Si elle a fait combien de fois, c'est qu'elle est ingrate, c'est tout. Elle est ingrate, je vais dire ça comme ça. Donc, monsieur Messara cité hier à Joe Kanjan, en Venus, en fait. Voilà. Supporter complètement. Ce sont les gens de ce qui, mais elle a gardé avec tous. Toutes les personnes qui ont été autour de compresseurs l'ont toujours délaissé. Et vous trouvez ça normal. C'est-à-dire, dans le fond, elle n'est pas. Elle est ingrate, comme on le dit. C'est ancré. En un mot, c'est l'ingratitude, c'est tout. Quand tu demandes à Flo travaille, moi, je ne suis pas fan de Flo et je ne l'apprécie pas. Mais je vais vous dire, les gens ne peuvent pas. Tu sais quoi, je vais t'expliquer. Dans la vie, chacun est libre de travailler ou pas. Compresseur est libre de ne jamais travailler toute sa vie. Mais écoute bien, personne ne va jamais dire à Compresseur que va travailler. Tu sais à quel moment les gens trouvent qu'ils ont le droit de s'initier dans ta vie quand tu commences à demander. Voilà. On me demande, après ça, tu es ingrate. C'est ça qui fait mal. Tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Je comprends. Compresseur peut ne pas travailler. Tout le monde s'en fout à partir du moment où elle ne demande rien à personne.